Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette petite finale du Challenge France, dernier stream online en fait de la compétition. Gardoum, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner ce soir, d'autant qu'il y a eu un petit changement de team, enfin... Les joueurs sont les mêmes, mais un changement de nom assez exceptionnel quand même. Ouais, il y a donc c'est ce soir nous aurons un affrontement en BO3 donc pour cette petite finale du Challenge France avec comme vous l'avez vu l'introduction voilà les alors qui sont les GB eSport, ce sont les gros Bill eSport contre les iGaulois Gardoum, une affiche de prestige pour cette petite finale. Et donc voilà, les gros billes, comme la marque Gros Bill, voilà pour ceux qui se demandaient. Effectivement, Gros Bill eSport, ça existe désormais. C'est l'eSport rend des choses possibles. Et vous y assistez en direct, le futur est en marche, sur gaming notamment, en stream. Voilà, donc une affiche assez sympa entre deux équipes qui ont réussi à progresser jusqu'au dernier carré, Gardoum, mais qui n'ont pas atteint la grande finale de cette Lyon eSport. Et on vous le rappelle, vous pouvez toujours prendre des places pour cette grande finale de la Lyon eSport qui se jouera au Palais des Sports de Lyon le 26 février. Le 26 février. Et on sera aux commentaires avec Zab et moi, voilà, pour être très précis. On fait le déplacement jusqu'à Lyon. Donc voilà, un BO3 ce soir et la présentation de l'équipe des iGaulois Gardoum. Gob, Narcus, Melon, Nono, Kajeri. Ouais, qui est une team, ils n'avaient pas pu jouer, c'était il y a 2 semaines je crois, parce qu'il me semble que Melon n'était pas là, et c'était vraiment dommage, parce que les games précédentes, il avait vraiment bien carry. C'est la team qui a la hype un peu, c'est la team des gens famous en France, des streamers, etc. C'est une team qui a beaucoup de sympathie. En plus, il y avait une rumeur qui disait qu'éventuellement, ils devaient ne plus jouer ensemble et tout. Enfin bref, il y avait différentes rumeurs qui avaient couru, et voilà, l'équipe sera bien présente pour évoluer. Pour ce Challenge France et en face les gros Bill eSport, donc Fred, Witz, Crackmo, Dylan, Illum. Fred qui avait montré quelques difficultés quand on l'avait commenté la semaine dernière, c'est Remember. Vrai qu'il n'était pas au top, et il faut espérer que ce soir il se remette vraiment dedans, d'autant que c'était marrant, c'est qu'il jouait Gnar qui est un des mains de Gob aussi. Je serais curieux de voir un petit duel comme ça avec des persos. Ouais. Bah effectivement, c'est. Il avait un peu galéré. Hein. Il nous avait pas sorti un super BO, Fred. Il avait eu de grandes difficultés. Et donc ce Challenge France, les Gaulois qui n'avaient pas pu disputer la demi-finale contre Millennium, Gardoum. Du tout, parce qu'il y avait Melon, je crois, qui était absent et qui avait une indisponibilité, quelque chose comme ouais, ça. Ouais, ils n'ont pas pu disputer cette demi et donc du coup, Millennium a gagné sur tapis vert, comme on dit chez nous. Alors, au niveau des pics, ouais, c'est ce qu'on voit du Gnar, hein, deux fois du Gnar de chaque côté. Une petite Irelia qui n'avait pas été vraiment convaincante, mais bon, on passe d'un KDA de 5,5 à 0,3 et 0,5 pour Fred, alors que Gob, il reste plutôt stable dans les 2,5 à peu près sur chaque perso. Et dans la jungle, donc, Wiz avec sa Elise contre les pics de Narcus qu'on connaît, hein, son fiddle très connu. Est-ce qu'on verrait sa Shyvana ce soir? C'est un perso qu'il a beaucoup train en stream notamment, il en a fait une petite VOD récemment. On pourra peut-être voir un petit changement. Bon, le fiddle, c'est sûr qu'on le voit au moins une fois. Ce serait dommage presque de ne pas le voir. Ouais, mais souvent, il est ban contre les iGaulois. Ouais. Donc, c'est même pas la volonté de Narcus de ne pas évoluer sur champion. C'est juste que, on l'empêche de le jouer en règle générale. Omid, donc, le Vel'Koz de Crackmo qu'on a pu voir plusieurs fois dans des match-up contre des assassins. Il jouait souvent contre des assassins. Avec ses champions, et en général, c'est vrai qu'il s'en tire très très bien. Il est bon sur sa midlane, Crackmo. Ah, il a son petit pool de champions à lui. Mais attention en face, Melon. Melon, homme de la situation, avec Leblanc. C'est un excellent joueur de Leblanc, Melon. On le voit sur une petite Anivia également. Et au niveau des AD, on a Nono qui joue notamment sa main, c'est Tristan quand même. Il a pu la jouer qu'une fois pour le moment. Ah oui, mais attention, il spam Jin. Ah, en ce moment, ouais, mais il vient de sortir. Ah, il le spam vraiment. Ah, du coup, il pourrait le sortir ce soir. Moi, je pense qu'il est, capable de le sortir. Bah, tu sais, on sait tous que du côté des iGaulois, il y a ce côté, on joue un peu pour le plaisir aussi. Donc, si on a vraiment envie de sortir un pick, en général, l'équipe laisse faire. Et Nono sur sa Jin est vraiment pas mauvais. Hein. Il va falloir surveiller ça. Mais s'il joue en équipe, avec du bon peel, avec une vraie front lane, je l'ai vu un peu jouer tout à l'heure. J'avoue que Jin est un personnage qui m'a fait un peu ni chaud ni froid quand je l'ai vu.
j'en ai plus démoli qu'autre chose. En fait, j'en ai pas vu avec moi, et tous ceux qui étaient en face de moi, je les ai démolis. Ça a pas d'escalier. Du coup, moi, je reste assez sceptique sur le champion, mais c'est comme tout. Enfin, je veux dire, avec un peu de maîtrise, c'est il y a tout qui passe en général. Et Nono est le premier joueur que j'ai vu moi de mes yeux en fait le jouer de façon vraiment intéressante. Donc il faut suivre. Il faut suivre si son équipe pile pour lui, s'ils ont une draft qui est assez intéressante. Je pense qu'on peut le voir choisir ce champion. Bah, surtout que ça peut surprendre. Il a des mécaniques intéressantes, hein, notamment son route sur le Z qui est pas mal du tout. Et son ultime, les dégâts sont assez incroyables. Ouais, mais il faut quand même que les adversaires aient perdu quelques points de vie. Il faut qu'ils aient perdu des HP, mais ça reste quand même très très safe pour mettre des dégâts. Il y en a bien qui font du poke avec l'ultime de Caitlyn. Là, ça peut soit poke avant les fights, au pire. Mais le mieux, c'est vraiment en termes de finisher, et ça a une range incroyable. Ouais. Ah bah c'est vrai que c'est la range est monstrueuse. Le dézoom, bon je sais pas si vous avez pu le voir, hein, mais le dézoom qui est assez spécial, et du coup il y a des gens maintenant qui appellent à ce qu'on utilise la même mécanique sur Xerath. Ce serait pas mal du tout, hein, parce que Xerath du coup a ce problème qu'il est censé viser très loin aussi, mais au niveau de la caméra c'est beaucoup moins pratique. Tu restes sur une vue normale en fait, donc c'est vrai que c'est un peu moins pratique. Et voilà, mais je pense que honnêtement il y a des chances de voir sur un BO3 Nono jouer sa Jhin. Il se pourrait que vous puissiez y assister si vous n'avez pas vu jouer en sa Jhin, pardon. Sa Jhin. Enfin, son Jhin. Ah, son Jhin, ok. Son Jhin. Désolé, entre Jhin et Jinx, voilà. Moi, je viens de me réveiller aussi. J'ai commenté la LCK et j'en ai profité pour faire une sieste l'après-midi. La sieste de l'après-midi, et oui, la sieste espagnole, pour ceux qui connaissent. Ouais, voilà. Ça fait beaucoup de bien que c'est pour la santé. Ça reforme, effectivement. Alors, avez-vous des questions? Avant qu'on entame, alors moi je vais en avoir une. Moi je vais en avoir une, c'est qu'on m'a parlé ce week-end d'un jeu de mots. On m'a dit Chips a fait un jeu de mots avec Gardoum et je l'ai pas entendu du tout en fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que moi tout le week-end j'ai des gens qui m'ont parlé, Chips t'as dit ou pas le jeu de mots? Je dis non, j'ai pas du tout une nouvelle. Enfin, mais je t'ai pas croisé non plus dimanche soir, vu que ça s'est fini un peu tôt la LPL. Quel jeu de mots? Bah, je sais pas si les gens pendant la LCK. Alors honnêtement, je sais pas ce que j'ai dit, mais si des gens s'en souviennent, des jeux de mots, j'en dis 20 par game, donc du coup, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai pu dire par rapport à toi? Je sais pas, mais j'ai plein de gens qui m'ont dit, et même du coup pendant la LPL le dimanche, sur le chat, ça en parlait aussi. Alors je commence à me dire, merde, qu'est-ce que ça peut être? Ben je sais pas sincèrement. Frais comme un Gardoum. Frais comme un Gardoum. Ah voilà. Ouais, Gardoum, frais comme un Gardoum, jeu de mots avec Gardon, bien okay, évidemment. Voilà. Pas mal. Tac au tac, hein, j'ai sorti du tac au tac, j'avais pas réfléchi avant, t'inquiète. Mais oui, mais ton pseudo, il m'inspire avec le Wingardium Leviosa. Ah, celui-ci est connu, c'est old, c'est very mais old. Mais celui-là, c'est trop simple, tu vois. Donc, frais comme un Gardoum, je suis assez fier de moi. Ah, celui-ci, on ne l'avait pas sorti. Jamais fait. On ne me l'avait pas sorti, celui-ci. Voilà, tout à fait. Et du coup, eh bien, écoute, alors Maeva, quand est-ce que la game est lancée? Quand est-ce qu'on peut voir, enfin, les joueurs se déchirer dans la grande finale de ce BO3? Melon est un peu en retard. Okay. Melon est un peu en retard, très bien. Bah, parce que là, en plus, d'après ce que j'avais vu sur Facebook, il y a Gob qui est sur Paris aujourd'hui. Alors, je ne sais pas. Oui, d'où oui, il joue, oui, oui. Et qui part après en Allemagne. Il part en Allemagne, Gob, pour être sub pour je sais plus quelle team. Mais il est sub pour une team et du coup, il doit être présent pour les LCS à première vue. Ok. C'est ce qui avait été posté sur Facebook. Bah, du coup, en attendant, on va vite fait vous parler du programme de stream de demain. Avant le début de cette petite finale à Lyon eSport. Donc demain à 9h du matin, eh bien, nous avons un programme sympa. Alors, c'est la Corée, bien sûr. Je serai aux commentaires en compagnie de Nono, si je ne m'abuse. Et demain, on commentera donc Africa Freaks contre les Rocks Tigers et les SBNU contre les SK Telecom T1. Donc, les deux finalistes des championnats du monde saison 5 qui jouent demain, Gardoum en LCK. Ça va être et ensuite, le soir, nous aurons l'Europe, bien entendu, l'Europe comme d'habitude, avec au niveau des matchs de la soirée, qu'on se les remette sous les yeux. Non,
les Gamers 2 par contre qui sont super impressionnants en ce moment. Et je dois avouer, enfin, j'aurais jamais attendu les Gamers 2 dans le top 3. Moi, avant la LCS, avant que la saison commence, je me disais Origin first, en deuxième et troisième Fnatic Vitality. Je voyais quelque chose comme ça vraiment. Bah, c'est à peu près la même chose pour tout le monde, je pense. Mais c'est vrai qu'ils ont surpris leur monde, les G2. Alors demain, donc, on a Elements Vitality, Giants Fnatic, G2 Origin. Ah, bien, parce qu'Origin est en train de revenir un peu dans la LCS avec un Sven qui est vraiment brillant actuellement. Ça va être sympa, je pense. Un très très beau match, c'est 3ème de la soirée. Rocket contre Unicorns of Love. Et H2K contre Splice. 4ème semaine hein, compétitive. Dans ce Spring Split de la saison 6 pour l'instant. Ouais, mais du coup, on pourrait penser que Ocelot est bien meilleur manager que ce qu'il était joueur. Il n'a jamais été extrêmement mauvais, mais. Bon. On avait mieux. Oui, il y avait beaucoup mieux. Il a eu ses heures de gloire en fait. Il a eu ses heures de gloire. Merci beaucoup. Ouais, il y en a eu effectivement. Donc n'oubliez pas, pour la Lyon eSport, c'est au Palais des Sports de Lyon. Vous pouvez aller sur le site de la compétition, taper Lyon eSport sur n'importe quel moteur de recherche et vous tomberez sur le site de la Lyon eSport et vous pourrez donc aller prendre des billets pour la grande finale. On aura donc Zab et moi aux commentaires. Zerator en tant que présentateur, Dude et DFG. En tant qu'analyste, donc une petite équipe sympa qui est réunie pour votre plus grand plaisir. Et bien sûr, le soir, nous irons faire la fête dans Lyon. Donc si vous êtes lyonnais, préparez-vous, vous n'avez encore jamais vu ce qui va arriver dans votre ville. Zab et moi débarquons. Voilà. Ça veut tout dire. C'est la grande finale qui opposera Millennium à Infamous. Millennium part quand même assez favori, mais ils ont une belle équipe actuellement. Enfin, ils jouent très très bien, faut le dire. Équipe, hein. Ils ont perdu aucune game, je crois, de tous ces challenges de toute façon. Pour l'instant, aucune. Mais, ils ont des joueurs qui sont vraiment excellents. C'est pas inattendu. Millennium ont souvent eu de bonnes teams quand même, mais là, juste purement niveau France, enfin, ils sont vraiment dessus. Ça se passe très très bien pour eux. Non, mais clairement, c'est. Ils ont roulé sur les teams du tournoi. En général, ils ont quand même des équipes qui sont supérieure à la scène, enfin à la moyenne de la scène française. Après, celle-là est vraiment très supérieure. Et même en Challenger Series, ils sont dans le très haut du panier actuellement. Ils ont vraiment roulé sur les teams. C'est pas juste ils ont gagné, c'était un peu compliqué. C'est roulé dessus et c'était vraiment pas mal. Ouais. Alors, avez-vous des questions? Pas vraiment. C'est qui Rudy? Alors, c'est quoi ce délire avec Rudy sur Twitch? Hi, it's Rudy. Mais je vois ça depuis hier et en fait je comprends pas du tout. Donc en attendant le début de ce Challenge France, si jamais vous pouvez éclairer ma lanterne sur qui est Rudy. Au même titre On te propose d'aller à Bayonne pour faire la fête. Ah, c'est vrai que les férias c'est quelque chose à vivre. Ouais, mais ça en été, hein, vous comprenez là, faire des férias dans le froid c'est compliqué quand même. Après il paraît que, enfin voilà, il y a différents moyens de réchauffer le corps humain hein, dans des férias je pense, mais quand même, c'est l'hiver. Rudy Jungler, Unicorn of Loves. Ah voilà, c'est ça. Ah, pardon. Ok. Oui. Ok, d'accord. Ok. Ok, j'y suis. Voilà, c'est bien ça. Parce qu'on me l'avait dit hier en plus, mais je vous le disais, je suis pas encore hyper bien réveillé, donc. Il y avait eu la fameuse rumeur Narcus. Oui, avec Narcus, le post sur Facebook qui m'avait fait mourir de rire, effectivement. C'était drôle, mais voilà, ils n'ont pas retenu Narcus. Imagine si Narcus avait joué avec son Fiddlestick en LCS Europe, ça aurait été très très drôle. Personne ne sort Fiddle en plus, hein. Personne à part lui. Non, mais je pense que avec le nouvel item dans la jungle, ça peut passer largement. C'est quand même mieux à sortir hein, qu'avec le Runeglaive. Vu que la méta actuelle est un peu moins tanky que ce que c'était, quand il saute sur les carry, d'autant qu'on a pas mal de persos, enfin, on a notamment Jhin qui a pas de mobilité, même au mid on a quelques persos comme ça, ça peut être vraiment intéressant dans un gros teamfight. C'est un pick qui serait meilleur qu'en saison 5, je pense. Alors, avez-vous des questions? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, du programme et tout, de Rudy, du programme de demain, de la Lyon eSport. Silver? Ah, ça, la saison a mal commencé. Non, ça va, je suis remonté, je suis repassé gold pour l'instant. Voilà, et je suis en route pour le platine. Ah, méfiez-vous. Ça monte vite avec la bonne MMR. Ouais, ça va, ça monte.
Gob Subou. Je sais plus du tout. Il l'avait mis, je crois, dans un post sur Facebook aujourd'hui, d'ailleurs. Mais tu veux qu'on aille voir? On peut aller vérifier. Je sais plus si c'était Millennium ou autre, mais non, bah non. Pas... Qui ça va être? Je sais plus du tout. Il l'a mis aujourd'hui sur Facebook. Et rapidement, en expliquant que justement, voilà, il devait être aujourd'hui sur Paris, que demain matin, il partait à Dublin. Mais je sais plus le détail exactement. Et d'ailleurs, sur Facebook aussi, Narcus avait mis aujourd'hui qu'en fait... Avec Millennium... Ah, attends. Bon, allez, je go direction Paris Today, puis demain matin, Berlin. Ah, c'est juste pour regarder direction les matchs. Direction LCS avec Millennium pour aller regarder les matchs. Ok, ouais. C'était juste pour regarder. Autant pour moi. Ouais. J'avais mal lu. Voilà. T'étais pas réveillé aussi. Ouais, donc il va faire voyage d'agrément, en fait, du côté de Berlin. Voyage pour se faire plaisir. Alors, vous parlez du petit frère de Faker. Alors, saviez-vous que Faker avait un petit frère? Il s'appelle Crash. C'est le jungler des... Ils ont joué ce matin. Le jungler des Longzhou. Le jungler remplaçant. Je vous invite à aller voir une photo de lui. Tu peux pas passer de photo, toi, Wellington? Et il joue aussi, du coup? Enfin, il joue bien, j'entends. Ah, il a sorti un... Dans un 1v1... Enfin, si on compare les deux prestations des junglers dans le deuxième match du deuxième BO d'aujourd'hui, j'ai jamais vu une telle branlée. Qu'il a mis? Ouais, il avait 5000 gold d'avance sur le jungler en face. J'ai jamais vu ça. D'accord. C'était un stomp total. Donc voilà, c'est le petit frère de Faker. C'est un Longzhou. Effectivement. Ah ouais. Regarde là, tu vas comprendre pourquoi c'est le petit frère de Faker. D'accord. Sur cette photo-là, c'est pas celle où il lui ressemble le plus. Hein? Tu veux mettre le mien? Ok. Ah, bah vas-y, mais le tien. Hein. Faut qu'on montre. Alors attendez, il est où? Non. À droite, au fond à droite, enfin. Voilà. Au milieu, donc, à droite. Enfin, au milieu, à droite. À partir du milieu, à droite. Donc, prenons l'homme de référence au milieu. L'homme qui fait pilier, vraiment. Qui est... Le deuxième au fond en partant de la droite, sinon. Qui est... C'est qui, d'ailleurs? Mince, j'arrive pas à... Le mec, là, au milieu. Vous le voyez tous. Derrière lui, il y a un mec avec des lunettes qui nous regarde fourbement. À côté, il y a Flame qui nous tourne à moitié le dos parce qu'il est trop fort. Et juste au-dessus, c'est Crash, le petit frère de Faker. Voilà. Il a les cheveux un peu moins longs, mais c'est exactement la même tête. Hein. Ouais. Voilà. 5K gold d'avance en jungle. Ah non, mais c'était vraiment hallucinant. Il avait 125 CS à 15 minutes de jeu. En jungle. Ouais. Il jouait Nida après. Bon, on sait que c'est un champion qui est... Enfin, qui potentiellement... Tu peux snowball, en fait. T'as moyen de faire ça, mais c'est dur de le faire, hein, sincèrement. C'est dur d'arriver à un tel niveau de snowball, en fait. Ah, ça y est, la game partie. Alors, c'est donc... Ouais, Igoloa contre les gros Bill eSport. On vous le rappelle, c'est vrai qu'on avait dévié. Ah, d'ailleurs, c'est important à noter aussi, c'est que ceux qui gagnent ce soir finissent donc 3ème du Challenge France et gagnent 1500€, tandis que les 4ème gagneront 500€. Et alors, un premier ban de Poppy du côté des Igolois. On veut pas laisser Fred la jouer Fiddlestick directement côté gros Bill. Hein. On craint quand même le Fiddlestick de l'Arcus, toujours. Ouais, ouais. Je me demande si les gros Bill vont ban le Jean de Nono. Non. Faut qu'il le laisse jouer. J'espère. J'aurais dû lui envoyer un texto pour lui dire, mec, joue ton Jean. Est-ce que s'il le laisse, il va le jouer? C'est la question. Honnêtement, je pense vraiment qu'il y a possibilité. Il s'est beaucoup traîné sur le champion. Enfin, beaucoup traîné. Autant qu'il lui a été permis, en fait, mais je crois qu'il a une dizaine de games avec. Ok. Et il le joue déjà très bien, honnêtement. L'avantage d'avoir déjà un bon niveau, tu t'adaptes vite. Ouais. Deuxième ban côté Igoloa, Kindred. C'est un personnage qu'on retrouve énormément ban un peu partout dans le monde de toute façon. Plus les gens apprennent à jouer, plus ils remarquent que c'est efficace. Notamment, pas son reset de fight, mais sa temporisation. Enfin, le fait de pouvoir jouer des teams plus DPS et de survivre à ces fights, c'est pas mal du tout. Thresh qui est ban côté gros Bill eSport en deuxième. Ouais, des bans très spéciaux hein, du côté des gros Bill. Thresh Fiddle, on n'est pas vraiment dans ce qui se fait de plus courant dans la méta actuelle. Et le dernier ban Igolois qui va viser le Gangplank. Gangplank qui est toujours trop efficace ce perso, il est tout le temps 100% pick ou ban.
Je crois que la dernière fois que j'ai vu, bah, c'était ce week-end d'ailleurs en LPL. Ouais. Il y a une team qui a oublié de le ban. Justement, ils ont fait un ban ciblé sur une Leblanc, je crois. Ils ont oublié de ban en fait le GP qui a été pick. Ça a été une win, il n'y a même pas eu à chercher plus loin. Là, Elise qui est ban aussi. On ne laissera pas Narcus jouer sa Elise non plus. Ou Wiz, hein, parce que Wiz c'est marrant, parce qu'il joue une très bonne Elise aussi. Est-ce que tu peux baisser un peu le son, Wailing Son, s'il te plaît? Merci. Ou même un peu plus encore. J'aime bien le son de League of Legends, mais bon. First pick de Graves. Alors, est-ce que Graves va aller top AD jungle aussi, hein? On le voit beaucoup en jungle en ce moment. Ouais, énormément. Le pick est très fort. Ça wave clear tranquillement. Et tes dégâts sont excellents. Avec un contrôle sur une lane, tu peux gank facilement. Ton itemisation te permet, avec Serra qui est Malmorsus, finalement d'être tanky tout en faisant énormément de dégâts. Honnêtement, Graves en ce moment, c'est clairement un must pick jusqu'à ce qu'il nerfe un peu ses dégâts. Je pense qu'il va rester au top des requêtes des joueurs, ce champion. On a aussi du coup de l'autre côté Corki, pareil, hein, c'est un champion très très contesté en ce moment. Beaucoup de dégâts, un petit peu de CC avec le gros paquet. Il a un peu tout ce dont on peut rechercher, en même temps ça apporte une mixité de dégâts qui est vraiment intéressante. Et là Rek'Sai, standard du côté de Weeds, qui va s'emparer lui-même de son champion. Rek'Sai, je crois que c'est le jungler qui est le plus commun maintenant, qui n'est jamais ban parce que... C'est incroyable dans aucun domaine, mais c'est bon partout en même temps. C'est... Et en même temps, tu peux carry des games de A à Z. Il y a trop de persos très forts à côté à ban pour se permettre de ban Rek'Sai. Oh, Leona, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu Leona et avec Jhin. Ça, c'est un combo qui va être très très violent. Là, Leona peut complètement lock les adversaires. On cumule avec le lock de Jhin et il place un full ulti s'il a besoin. Quoi. Ça va être sympa. Si vous n'avez pas encore vu le Jhin de Nono, eh bien, il est l'heure. Pauvre ignorant, pauvre fou. De constater l'étendue de la puissance du champion. Bon, en vrai, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner contre une équipe organisée. A voir, le perso a quoi faire, là, comme pas mal de range. Puis couplé avec une Leona, c'est vraiment le level 6 que j'attends de voir. T'imagines, tu fais proc le passif de Leona, quasiment 1 sur chaque tir de Jhin. Du coup, sur le dernier tir, enfin avec le critique en plus, ça va être assez violent, je pense. C'est un perso qui n'est pas ban pour le moment, en tout cas. C'est fort, mais voilà, on n'a pas encore vu de personne. Moi je le ban quand un joueur me dit dans ma team qu'il veut le pick. C'est voilà. Mais quand c'est l'adversaire, honnêtement, je le laisse volontiers. Y a aucun problème. J'en ai vu des tops, des Jhin top. Alors je sais pas pourquoi les mecs jouent ça. C'est-à-dire que pendant les 2-3 premiers levels, pourquoi pas. Mais ils ont tellement pas d'escape, ils se font rouler dessus les mecs après. Le premier que j'ai vu en game, c'était un Jhin top. Je jouais avec Kopitz et Noah en Dynamic Q. Et on voit Jhin top et on se dit, mais Noah il a pick Sion. Dans la jungle, on a pick une Elise. Et moi j'ai pick une Leona. Et le mec, on l'a mis à 0-15. On l'a. C'est-à-dire que ses coéquipiers arrivaient sous une tour avec lui. On passait au travers des coéquipiers. On allait tuer le Jhin et on repartait en rigolant. Comment dégoûter Franchement, j'ai jamais défoncé autant quelqu'un sur le jeu. C'était royal. J'ai adoré faire ça. Maintenant, le combo Brom-Lucerne, vraiment très efficace. Le passif de Brom qui va proc très très vite avec les double shots de Lucian. C'est un combo classique, mais toujours très très fort. Et gros avantage de Brom, c'est qu'il va pouvoir complètement casser le burst de Graves aussi. Et potentiellement de Jhin. Ouais, c'est un très bon pick, hein, Brom contre la draft des Gaulois. Et une Leblanc avec un Skarner. Skarner dans la jungle pour Narcus. Bah, écoute, ça correspond bien au genre de pick un peu alambiqué qu'il apprécie. Enfin, Skarner, c'est pas très courant actuellement. Donc, de l'autre côté, on aura un Corki top. Bon, le Victor est pas encore lock, hein, mais on peut voir Crackmo sur un Victor, ça me choquerait pas. Mais Corki top, c'est un peu compliqué. Corki top, c'est spécial. À moins qu'on voit un Graves jungle et un Skarner top. Écoute, je sais pas. Attention, on a une notion de flex pick quand même dans cette game. On n'est pas sûr. De ce qui va être joué. De ce qui va être joué, à quel poste en fait. C'est vrai que côté Gaulois, tu mets plutôt Skarner ou Graves au top. Je sais pas, ça dépend ce que t'as en face en fait. Pareil. En face. L'avantage c'est que là, ils peuvent changer très facilement. Ou Jhin top, tiens. Fiora? Non. Ah, Fiora qui est laissé. Pas Jhin top, c'est une très mauvaise idée, c'est de la merde. Fiora, autant face à Graves, je me dis qu'elle peut tenir le match-up. Elle a pas mal de dash, elle a sa riposte en plus. Face à Skarner.
Alors, c'est un match-up que j'ai tellement jamais vu. On voit plus de Skarner Top depuis tellement longtemps. On en voit plus du tout. Ça n'a jamais été non plus un gros pick top. À certaines époques, c'était joué un peu. On le voyait. Après, l'avantage, c'est que dès que tu as quelqu'un qui vient gank, tu es sûr d'avoir un free kill. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Skarner Jungle, du coup, ça se confirme. Et Gob sur Graves. Gob qui traîne Furent en ce moment, en plus. C'est marrant. Mais... Alors, c'est un match-up. Je sais pas trop ce que ça peut donner, Graves sur A. Parce qu'en termes de burst, les deux en ont un très gros. Le gros problème, c'est que Fiora peut éviter celui de Graves potentiellement, alors que l'inverse est beaucoup moins vrai. Là, on a côté Igolo, on a quand même une draft avec énormément de dégâts, Gardoum. Beaucoup, beaucoup de bursts, que ce soit magique, physique. Et quand même une belle front lane, ce que demandait vraiment Nono avec son Jhin. Ça m'a l'air plutôt... Leur draft m'a l'air plutôt équilibré sur le papier. Un problème Petit souci, mais... De très gros dégâts, il y a de l'engage en plus, il n'y a pas de disengage par contre du tout, c'est-à-dire on y va, on rentre dans le tas, soit on vous tue, soit c'est foutu. C'est bien dit. Et de l'autre côté par contre c'est une team un peu plus équilibrée, t'as Dupont, t'as le Corki qui est présent pour elle ça. Elle est beaucoup plus standard la team en face, surtout... Et t'as toujours la Fiora qui peut faire Corki, un speed Fiora, push, super Lucian, c'est hyper hyper standard actuellement ce genre de pick. Ah, d'un autre côté, voilà, les Igolois jouent... Pour gagner, évidemment, en même temps, ils testent des choses et ils vont essayer de mettre du beau jeu, je pense, avec leur pick. T'avais dit pour la troisième place, il y a 1500 euros. Ouais. C'est pas négligeable, quand même. 1500 euros. Ils vont essayer de gagner, hein, clairement, les Igolois, je pense. J'attends de voir comment ils vont se comporter dans cette game, dans ce BO. Et cette première partie, j'avoue que j'aime déjà beaucoup les picks qui sont proposés. Ça change, et ça c'est super agréable. Vraiment, le fait qu'il y ait du changement, on n'est pas toujours... C'est vrai qu'au niveau français, on attend quand même... on s'attend à ce qu'il n'y ait pas le même niveau que dans les games inter, les games pro. Du coup, pour compenser, on espère toujours qu'il y aura un petit pic exotique, un petit truc vraiment différent, voilà, des orientations qui changent un peu. Bref, peut-être plus de style du côté des games françaises, avec moins d'efficacité, mais ça, bon. On peut pas tout avoir. Moins d'efficacité, mais peut-être plus de mouvement dans les games quand même. Ouais, bien sûr. Puisque bon, quand t'as des games où il n'y a pas de kill en 15-20 minutes à cause de swap lane ou autre, en théorie, on devrait pas avoir ça. Ouais. C'est à regarder, bon, c'est plus agréable, t'as moins juste le retournement qui change tout, mais en même temps, tout le long de la game, tu risques d'avoir des kills. Alors, avez-vous des questions sur le chat ? Parce qu'on on doit relancer la phase de draft et on va avoir 3 minutes de délai. Donc on n'a pas commencé la game avant... 1500 par tête ou en tout ? C'est en tout, les prix à chaque fois. Oui, c'est pas par tête. Depuis quand on vous donne le cash price par tête ? Ce serait pas mal quand même. 1500 par tête Ah, là je pense que côté Igolois, on serait remonté. Hein. Ah ouais, non, c'est... À mon avis, on aurait bu quelques-uns des cafés avant la partie, histoire d'être vraiment au taquet. On prend les mêmes picks très très rapidement. C'est vrai que côté gros bill, t'as du poke, t'as de l'engage, t'as du disengage avec le brome, t'as de quoi résister au burst adverse. C'est safe, c'est basique vraiment. Et c'est ce qu'on voit partout hein, après. Et melon sur le blanc, attention. Hein. Il est vraiment bon sur ce champion, le millénaire des Igolois. Il avait complètement carry, donc c'était pas il y a 2 semaines. C'était. Tu me souviens de la game, non ? Face au Melty, je crois. Ouais. Face au Melty, il avait fait une game incroyable. Et vraiment, il avait porté sa team à lui tout seul. Dès qu'un mauvais move s'engageait, ça arrivait. On avait Melon qui arrivait à lui quasiment avec 4 amants ou un V5, il avait récupéré 3 kills. Assez exceptionnel sur cette game, vraiment. Mais il est très bon hein, sur ce champion, indéniablement. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont écrit avec les bans ? Gob et AA. Très bien. Nao Yaa qui a récupéré une équipe. Oui, d'ailleurs, j'ai vu ça récemment. Ils ont joué hier dans Underdogs. Ok, ça a donné quoi ? J'ai pas pu regarder, mais. Ah. Tu me fous dans l'embarras. Je sais pas qui a gagné hier. Je sais qu'il y a eu 5 games et qu'on est allé en blind pick. Qu'est-ce qu'il y a ? GG. Non mais. T'es sérieux ? GG. On me demande des trucs sur ce plateau, c'est vraiment extrêmement bizarre. Voilà, mais vous, hier, je suis sûr que vous avez regardé la finale de Underdog. Ok, win 3-2 de la part des AAA du coup. Ah, voilà. Ouais. C'est bien ce que je disais. Je poserai la question au chat. C'est bien ce que je disais. La victoire des AA 3-2.
On met la finale en blind pick dans Underdogs, si jamais on arrive à la cinquième game. Et c'est ce qu'ils faisaient WLCK avant, non? Bah oui, ils l'ont enlevé pour cette année, ils ne le feront plus. Grande tristesse. Du coup, OGaming sera le dernier endroit sur Terre où on verra des games compétitifs jouées en blind pick. C'est où? On avait vu comme ça en Europe, où il y avait eu pareil un blind pick pour finir un BO5, je crois. On avait eu Froggen qui avait pu jouer ça à Nivea. Ça commence à dater vraiment, ça fait assez longtemps. Ça me paraît très bizarre, ça ne me dit rien. Mais je sais plus quel game c'était, c'était peut-être pas un truc de LCS ou autre, hein, mais justement ça avait terminé avec un blind pick. Ça ne me dit rien. Alors. Pourquoi ils ont refait la draft? Quelqu'un qui a dû y avoir y a un bug. Il y a eu un bug, ouais. Un petit bug. Alors, tiens d'ailleurs, en parlant de la compo des Igolois, j'avais pas remarqué, mais la Leona a un Ignite. C'est vraiment, ouais, ils vont jouer l'agression. Ils vont jouer aggro, ouais. C'est double Ignite, il n'y a pas du tout de barrière, pas d'exhaust. Quoi qu'en même temps, exhaust, bon. Est-ce que ça aurait été vraiment utile vu la compo adverse? Il n'y a personne, je dirais, qui a de très gros bursts à part Fiora là-dedans. Ouais, la seule sur laquelle tu pourrais mettre vraiment un exhaust, effectivement, c'est la Fiora. Mais. C'est tellement bien de jouer Leona avec Ignite. Sincèrement, quand tu joues Leona, tu veux amener des kills à ta lane. Tu veux roam, tu veux faire la différence. Donc double Ignite côté Igolois. L'agressivité sera de mise dans cette game. À n'en pas douter, Gardoum. Et. Le plus marrant, c'est que autant leur compo est inhabituelle et intéressante, mais elle n'est pas du tout en reste par rapport à la compo des gros builds. Du fait qu'ils aient beaucoup de bursts, ils ont de l'engage, ils ont de quoi suivre l'engage, vraiment. Graves, en l'occurrence, tu as Graves, tu as Leblanc. Et si à tout hasard, tu as la Fiora qui veut rentrer dans le tas pour essayer de gêner un peu tes carries, parce que bon, il n'y a quand même que des persos squishés à côté, bah tu as Skarner qui va pouvoir la grab. Mais attention à la parade. Attention à la riposte. C'est vrai que. On avait vu certaines Fiora qui faisaient des ripostes sur des tombeaux de glace de Lissandra notamment. Ouais, ce matin on en a eu une sur une dévoration de Tahm Kench. C'est quand même assez exceptionnel. C'est même pas de la réactivité, c'est de l'anticipation. Ouais, c'est de l'anticipation. C'est... Après, vu la situation, ça sentait qu'il allait mettre la dévoration, mais on a beau dire ça, il le place quand même au bon moment. Donc au niveau de l'exécution, il n'y a rien à dire, c'était propre. Parce que même si tu le sens venir, tu te dis, moi, il peut très bien, le mec tempo justement la riposte, c'est etc. C'est Someday qui a fait ça. Bon, c'est Someday. Voilà. Il y a des joueurs comme ça qui sont un petit peu au-dessus quand même. Alors. Ah, apparemment, c'est All-Star Gardoum, ce pick à Nivea. Ah, c'était fort possible, ah, oui. Ouais. Ah, d'accord, ouais. Ouais. Alors. Eh bien, y a une fête derrière. Alors, non, il n'y a pas de fête derrière, mais les locaux gaming sont toujours très festifs. Il y a toujours beaucoup de monde. Beaucoup de monde, une bonne ambiance. Partout. Et voilà, exactement. Après, en bas actuellement, c'est Donjon et Jambon. Donjon et Jambon, effectivement, si vous voulez du JDR, eh bien, vous pouvez aller sur la chaîne Généraliste. Actuellement, l'épisode final de cette saison de Donjon et Jambon. On se demande qui va mourir. Il paraît que sur l'épisode passé, on n'était pas loin d'avoir toute l'équipe morte. Mais voilà, ça pourrait se passer ce soir. C'est le dénouement final. Alors, est-ce que c'est Nono la DC? Oui, oui, c'est tout à fait Nono. Monsieur Nono Body, effectivement, c'est Nono. C'est Nono. Ah, mais... Il y a des renames comme ça sur la scène française qui sont assez exceptionnels. Tu commandes quoi, toi, encore cette semaine, Gardoum? La LPL le dimanche? Ouais, LPL dimanche, tout à fait, avec Ellie cette semaine. Ce sera la première fois que je vais cast avec Ellie. Ah ouais? D'accord. Eh bien, écoute, tu verras, Ellie est un homme. Eh bien, avec qui il n'est pas difficile de caster. Bah, ça a l'air. Il s'adapte. Ça a l'air. Il n'y a pas de problème. Comme c'est un bon analyste aussi, ça va être super intéressant, je pense. En espérant qu'on ait des games, j'allais dire un peu mieux que la semaine dernière, mais finalement, le premier BO était vraiment intéressant. T'as commenté pas mal... quoi comme BO la semaine passée? Alors, c'était qui? C'était Snake Esports contre... Il y a eu les RNG. Que je me trompe pas de game. Ah oui, RNG, ouais, je crois que t'as commenté ça, effectivement. Il y a eu RNG Snake Sport, donc le premier BO qui était vraiment intéressant, ça a pas mal bougé, c'était en BO 3. Et il y a eu les Xiaogu contre je ne sais plus quel team, et c'était ennuyeux à mourir. Où ça a fait deux gamins swap lane, dès qu'il y a du swap lane, il y avait eu un kill, je crois, en 15-20 minutes. Fin... Bon, à la fin, c'est Xiaogu qui gagne. Attends, est-ce que c'est Xiaogu qui avait... Ouais, ils sont toujours invaincus. Toujours, ouais, du coup, c'est... Toujours invaincus. Mais... C'était... Le premier BO était vraiment très intéressant, beaucoup de mouvements, des prises de risques. Le deuxième l'était beaucoup moins. Mais on a eu une Morgana face à une Poppy en line par contre. C'était un Morgana qui a été sorti aussi du côté de la Corée, il me semble. Ouais, mais on commence à en voir quelques-unes du côté du top. Ça a toujours été un bon pick top. Hein.
Et il y a des situations dans lesquelles elle est plus ou moins forte, mais contre certains picks, c'est vrai que c'est intéressant. Après, elle a pas de un pic comme ça, non, mais c'est tellement dur de la gank avec le Black Shield, avec la cage, c'est quand même hyper safe, Morgana. Contre certains picks qui ont du mal à des push et qui sont à l'aise contre des corps à corps, du coup, le drafter une Morgana, ça devient hyper gênant. Alors, à vous des questions. Ah, on te demande si tu fais partie d'une équipe compétitive. Qui ? Moi ? Oui. C'est une blague ou quoi ? C'est une trio Q ouais. Très compétitive. J'ai une trio Q très dynamique avec Noah et Kopitz. On gagne des games. Ah, j'allais dire c'est parti pour la game, mais non, c'est parti pour une pause. Hein. On commence par et une c'est pause. C'est parti pour la pause. Alors, au mid, on a un Corki qui a pris une potion de corruption. Bon, pas de Doran Blade. D'un autre côté, il va poke énormément avec sa bombe au phosphore. Il va avoir besoin de mana. Et au top, pareil, il fera potion de corruption face à un Graves qui est parti, lui, par contre, Doran Blade. Et on est parti. Gardoum, Igolois contre les gros Bills eSports. C'est l'affiche de cette petite finale du Challenge France. Narcus qui attend sereinement là face à Weeds. Gros Bill Weeds. Bon, du coup, c'est très marrant pour les pseudos. Et bonjour. Quelques dégâts. Et on commence à ras du côté de Narcus. Le trade entre les deux champions. Deux bons tanks qui clivent. C'est vraiment ça en plus. C'est... Bah, les deux ont un peu le même principe sur leur Q. C'est marrant. Ah, Gob qui tente de poke Fred. Fred qu'on n'a pas vu sur Fiora la semaine dernière d'ailleurs, c'était Gnar et Irelia. Ouais, et à chaque fois avec beaucoup de difficultés à faire des bonnes games. Ouais, mais ce soir est un autre jour. Ce soir, ça peut être mieux. Alors, au niveau des jungles, on va commencer Weakside pour les deux, afin de laisser les bot lane prendre tranquillement leur camp. On a le Gromp, on a les Krug. Bon, et j'ai hâte de voir le Jhin de Nono. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, Gob et Narcus qui commencent dans la jungle là, de concert. On va aller récupérer le Gromp et ensuite, donc, Gob qui va pouvoir se diriger vers sa top lane. Donc, normalement, Graves qui est connu comme étant un bon pick contre les corps à corps, mais c'est pas n'importe quel corps à corps là. C'est Fiora, c'est assez différent. Elle a un dash pour rapidement arriver au corps à corps. Elle peut infliger des dégâts très facilement juste sur une action où elle arrive au CAC, Gardoum. Et elle a sa parade. Elle a sa parade qui peut être très intéressante. Notamment face à Graves qui va balancer tout son burst d'un coup souvent. Gob qui sera première wave va louper 2 CS par contre. Malheureusement c'est vrai que Graves, bah faut pas gérer juste la vitesse d'autoshot et la durée du projectile. Il faut vraiment calculer aussi tes chevrotines tant qu'à sauvage. Attention, Melon qui met quelques dégâts, Crackmo, midlife hein, pour le moment sur Crackmo. Ouais, attends, très mal. Alors Corki qui est vraiment un des champions les plus plébiscités actuellement au niveau pro. Sur la mid lane, ça fait vraiment la loi dans les games actuellement. Corki, quand c'est bien joué. Les gars magiques qui postent sont absolument insane hein, avec son POC. L'équipe des Igolois a quand même un POC intéressant. Hein. Bah, ils ont beaucoup de POC, ils ont de l'engagement. Déjà top, Weed. Ah, il a pas été faire sa jungle bot. Attention, Gob qui va peut-être se prendre le bum. C'est parti, on met les dégâts sur Gob. Pas de flash out. First Blood pour les gros Bills eSports. C'est Fred qui va le récupérer. Fred du coup qui commence très bien aujourd'hui pour le moment avec 1-0-0, Gob qui n'a pas utilisé de summoner spell, il va sans doute TP directement pour éviter de perdre trop de CS, voilà exactement, il a pu acheter une épée longue mais pas de potion par contre. Ouais, et c'est quelque chose qui peut être gênant face à la Fiora avec sa flasque de corruption. Oui, ce qui va récupérer le cristal là pour son équipe, on récupère le carapateur également, il va revenir top. Oh là là le top, oh là là le top. Il va essayer de mettre Gob au fond, il passe derrière la tour. Dans le tunnel, attention, Coucou. Gob qui cette fois-ci a toujours son flash par contre. Est-ce qu'il va pouvoir flash out? Il va. Non, il part comme ça, sans rien. Mais pas de potion malheureusement pour lui, ça va tiquer. Les dégâts de Gob, il arrive à trouver le proc du Q-spell là-dessus. Fred prend très très cher. Mais Gob, encore une fois, est largement gêné. Il est revenu sans potion, on le disait. Gardoum, et là il a pas le choix, il faut rester. Non, il back. Il préfère pas prendre de risque parce que c'est vrai que si Weeds est encore dans la jungle, là ce serait donné un free kill. Surtout qu'ils peuvent dive hein, éventuellement. Ils peuvent dive et là ils auraient dive avec plein de CS sous la tour. Enfin, il aurait été encore plus au fond. Au lieu de gagner vraiment sa lane avec le perso qu'il a, qui est à la base peut-être pas un counter mais un perso pas trop mauvais face à Fiora, bah il va être un peu au fond pour le moment. Je m'attends à ce que Wiz pose une ward quand même là sur la lane pour voir arriver le Graves. Et le Graves qui revient donc. Alors qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire les gros Bills? Je pense que le dive est un peu compliqué quand même face à un Graves full life.
Fred qui a régène quelques points de vie, qui a plus sustain. Mais est-ce qu'on a envie de se commit dans un dive? Ça me paraît compliqué. Après, Gob, s'il avance, là, il y a peut-être une occasion de nouveau. Est-ce qu'il va revenir, Wiz? Il est en train de prendre les loups. Le TP back de la part de Fred. S'il revient avec TP et qu'il le gank. Ah, sur la mid lane, un gank. Narcus. Il n'y a pas de mana pour la Valkyrie. Et c'est le flash out de Krakmo. Mais du coup, Narcus qui a eu ses 3 buffs dans la jungle. Il en a eu 3 buffs. Il a récupéré effectivement le blue buff de la Rek Sai de Weeds. Et pour ça, Fiora qui a pris directement le Tiamat. Alors maintenant un peu la duo lane de Nono et de Kajeri face à Illum et Dylan. On a envie de voir un peu ce que va donner ce Jhin. Bon, pour moi au niveau du farm, c'est plutôt even, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et on a Weeds qui repart vers la top lane. Hein. Une fois de plus, il va vraiment essayer de mettre Gob au fond. Il veut mettre Fred au top dans cette game. La riposte qui passe, midlife pour Gob et Wiz qui arrive derrière. Fred, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vraiment pris son temps là-dessus. Flash out de la part de Gob et le flash-in, le kill pour Fred. Bon! Ça commence à être très délicat pour Gob. En plus, il freeze du côté du bot. Dylan, l'agression de la part des Gaulois qui prennent le kill. Nono et Kajiri qui enchaînent les gars sont excellents. Le CC qui passe sur Illum et le TP de la part de Fred qui vient pour récupérer du kill. Kajiri, non, Illum qui va survivre à l'agression de ses adversaires. Fred qui va tenter là de faire la différence. L'arrivée de Krakmo également. Nono qui n'a plus de summoner. Ils sont en danger. Les Gaulois là-dessus, le poke de Krakmo qui emportera Nono. 4 kills à 1 en faveur des gros bills. Gardoum. Grosse Bertha qui termine ce move. C'est dommage parce que le fight avait été très bien pris. Illum qui survit avec 2 HP malheureusement et qui en récupère un petit peu à la mort de Kajeri. Et c'est là que c'est compliqué. Hein. Le fait que Gob n'ait plus de TP, il est face à Fred qui lui était vraiment très bien sur sa lane, qui a pu aller aider la bot. Attention, Melon qui essaie de mettre beaucoup de dégâts à Krakmo. Il n'a pas pu mettre la chaîne pour faire proc. Pour faire proc, limitation de son Q-spell. La chaîne qui est lancée cette fois-ci avec le Q. Mais Krakmo réplique et fait très mal. Toujours un Wiz hyperactif. C'est le meneur de jeu de l'équipe, Wiz. En early game, Narcus en position avec le niveau 6 sur son Skarner. On va tenter d'aller gêner Wiz, mais Wiz est mobile. Pas de problème, on se repositionne sereinement. J'ai l'impression que Narcus a décidé de monter la garde topside de la map maintenant. Il va essayer de rester là, il va protéger un peu Gob. D'ailleurs, on a un swap lane. Gob va maintenant se retrouver face à un Lucian plus Rome. Ça va être compliqué pour lui. Narcus qui a réussi à voler le buff Corbin, pas mal du tout, et qui repart du coup dans sa jungle bot. On a Fred qui est près de la mid lane. Ils veulent plus lane en bas les gros villes, je me demande pourquoi. Est-ce qu'ils sont tant sous pression que ça? Bon ok, ils ont perdu le trade tout à l'heure, mais finalement quand tu regardes le farm... Ou alors est-ce qu'ils veulent pas mettre Gob encore plus au fond? Ouais, ça se peut, donc vraiment une stratégie concentrée sur la destruction du Graves de Gob. À partir du moment où Graves est en retard dans la game, bon, son burst va être bien moins impactant pendant le mid-game, mais c'est là où normalement ils peuvent vraiment tenter de prendre un gros avantage et snowball la game. Surtout que Graves, pour moi, c'est vraiment un champion qui est fait pour être bien dans la partie. C'est vrai que t'en vois rarement qu'il tombe vraiment derrière, mais là honnêtement, la camp des gros billes a vraiment pesé 3-0-1 en faveur de Fred. Et certes, Gob est au niveau en termes de CS, mais en face, avec ses 3 kills, la Fiora est quand même beaucoup mieux dans la partie. Narcus en position, il va passer son temps à côté de Gob du coup. Ça a créé une situation très, très embêtante pour les Gaulois là. Hein. Parce que si Narcus passe son temps du côté du top, il risque d'avoir du mal à peser pour son équipe. Ouais. Quel boulot de la part de Wiz déjà en cette early game, hein, qui maintenant oblige les Gaulois à faire des choix difficiles. 0-0-2 pour Wiz. Hein. Comme tu dis, qui est vraiment très bien. On a Corki qui a bas, qui a son phage, sa brillance. Gob sous tour qui parvient tout de même à farm. Narcus qui est au loup, qui s'éloigne pas trop. Il va maintenant aller faire ses buffs. Faut faire attention au dive par contre. Ça peut être très très dur. Brom, c'est ultra tanky. Avec un Lucian, ça peut aller très très vite le dive sur Gob. Et le gros problème, c'est que en théorie, avec un Graze, bon, sous tour on dive, t'as comme moyen de mettre des dégâts et de tuer tes adversaires. Mais face à un Brom, tes dégâts vont être complètement nullifiés. Ah, et Gob qui essaie quand même hein, de repousser la duo lane gros bill. Et pour l'instant, Narcus qui est parti de l'autre côté de la map. Donc, Wiz qui rôde autour de cette mid lane. Krakmo qui part vers la top lane. Ça va tenter le dive à 3. Oh là là. Ils vont tenter le dive via le gros paquet.
Ah, oh, c'est Crackmo qui va faire l'engage. Oh, le paquet. Va faire l'engage qui oh, va le paquet, Gob. Allez, c'est parti. Package. Gob ne peut rien faire. C'est le kill en faveur des gros billes. Le très bon décalage. Melon n'a pas pu empêcher Crackmo de décaler. Et c'est aussi une des grandes forces de Corki. Hein. Une fois que t'as le paquet, je t'arrive au mid. Tu clears très rapidement. Et derrière, tu peux décaler Gardoum. Excellent. Le champion est vraiment. C'est... Je trouve que pour la mid lane, ça a presque tout, sincèrement, Corki. Ça manque de contrôle. Encore que sur les timing package, tu peux vraiment créer un maximum d'action. Ouais. Melon qui prend tu du peux poc. Facilement le faire sur d'autres lanes. Mais très bonne rotation. Hein. Wiz qui arrive sur la mid lane pour récupérer le farm pendant que Crackmo décale au top. Et on évite à la tour de perdre des HP. Gob qui fait un TP bot. Ils veulent absolument contester cette tour. Pas trop de gold rush du côté des gros billes. On va essayer d'éviter ça. Ouais, les Igolois là qui vont. Est-ce qu'on va pouvoir se rassurer un peu avec la prise de cette T1? C'est vrai qu'ils sont vraiment dans le dur actuellement. 2k5 d'avance en faveur des gros billes. Ça va pas être facile. Ils essaient de jouer au tilt, sur le tilt, hein, peut-être. LoL est un jeu très psychologique finalement. Sur ça la botlane, être une bonne idée. Ils sont en train de back. Ils sont en train de back, ça va peut-être aller défendre top. Ça se regroupe près du blue buff quand même. Ils vont peut-être le garder, les Igolois. Parce qu'il y aura un smite up. Ok, c'est Melon qui récupère le blue buff. Il y a peut-être un ulti de la part de Illum. Là, si ça c'est. Oh, l'enchaînement de contrôle qui va partir de la part des gros billes. On réussit à s'escape. Le flash de la part de Crackmo agressif. On poke un peu sur les joueurs Igolois. Narcus qui est slow. Tiens, Jerry qui va peut-être prendre pas mal de dégâts. Attention, oh, Nono. Nono qui va être pris à partie. Qui flash out. Est-ce que ça continue? Nono qui s'est avancé. Qui s'est pris le passif de Brome et le stun beaucoup trop rapidement. Alors, c'est vraiment dommage pour les gros billes. Que Lume n'est pas disposé de son ulti sur le engage on bureau de la Rek'Sai, sinon ça aurait fait un carton. Ils auraient pu prendre 3 kills, les gros bills. Mais bon, ils vont se concentrer d'un sur le Jin de Nono qui traînait par là. Et un dragon qui va être récupéré par les gros bills. Très très bon flash de la part de Wiz hein, qui essaye de créer les occasions. C'est pas la chance, il est pas là au bon moment. Ils étaient là tous ensemble. Très bon move et puis Nono malheureusement un peu trop avancé. C'est le gros problème de Jin hein. Malheureusement ça n'a pas d'escape. C'est... Ouais effectivement c'est... Bah, la faiblesse numéro 1 du champion qu'on soulignait. Et il a utilisé son Nono flash en plus là-dessus. Il a utilisé son flash. Oh Narcus qui flash in pour mettre l'ultime sur Crackmo. Regarde ce build de la part de Illum qui s'avance avec son ulti, avec son chien également. Mais Illum va être sacrifié sur l'autel de la victoire là-dessus, peut-être par les gros bills. Crackmo qui juke, Nono qui ne touche pas, peut-être un stun si ça touche finalement. Et le jump in de la part de Melon, c'est Narcus qui s'empara du kill. Dylan qui est contrôlé également, attention. Attention à la tendance là qui pourrait s'inverser éventuellement. Igolois est une équipe qui joue un peu à l'émotion, j'ai envie de dire, Gardoum. Attention, Kajeri qui prend beaucoup de dégâts. Oh mon dieu, Fred qui... Le wall. Tâche. Et on est maintenant plus qu'à 300 gold de retard alors qu'il y avait 2k6 encore il y a quelques instants. C'est la tour top qui a été prise, on a maintenant une avance des Igolois. Tour bot, tour top, ça enchaîne les kills et on est reparti dans la game. Incroyable. Narcus qui est parti sur la brillance et les bots de célérité, il veut être présent un peu partout avec son Skarner. 1-0-2 d'ailleurs finalement, son score au final est mieux que celui de Wiz pour le moment. Et il va faire un grand Givrant. C'est fort possible. C'est fort quand tu givrons sur Skarner. Dès que tu chopes l'adversaire, tu le lock complètement, il peut plus s'échapper. On a l'Ayumu qui est fini sur Gob. Alors que sur Fiora, on a déjà le premier. Oh, l'Hydro Titanesque, ça y est, c'est terminé. Alors, le héros de la faille qui est engagé par les gros bills, qui va être fait assez rapidement en par Illum et Wiz. Ils vont essayer de se remobiliser, les gros bills. Là, on a quand même les Gaulois qui sont revenus très très fort dans la game. Avec deux tours de récupérer. On laisse le buff du héros à Wiz qui va pouvoir essayer d'amener ça un peu sur toutes les lanes. Personne d'autre, pas de carry ni rien qui était présent. Melon qui va récupérer son blue buff. Il a l'abyssal de près Melon, ça y est. Alors l'abyssal qui va être utile entre guillemets en termes de résistance magique uniquement face à ce Corki. Hein. Le reste c'est que du dégât physique. Mais sincèrement c'est justifié, Corki fait tellement de dégâts. Et puis de toute façon de la résistance magique en moins pour les adversaires, c'est du pain béni pour le blanc. Ouais, le blanc adore cet item hein, qui ne coûte pas très cher et qui permet de maximiser vraiment ses dégâts en early game. C'est un item que je conseillerais dans 90% des cas honnêtement avec le blanc. À moins que vous ayez une équipe vraiment en face sans dégâts magiques. Et dans ce cas là, bon, je vous dirais effectivement c'est peut-être pas le mieux de ne pas... d'avoir un item avec cette risque magie. Mais sinon, dans tous les cas, je pense vraiment que ça vaut le coup.
Ça permet vraiment là Leblanc de s'exprimer en termes de dommages. Nono qui maxe le Q en premier sur son Jean et le Z en deuxième. Donc le Q, je crois que c'est la grenade hein, justement qui va rebondir un peu sur tout le monde. Pas besoin de... Attention, Kajari qui est prêt à partir dans la jungle qui se prendra que 3 stacks du passif de Brom. Pas de stun ici. Au bot, on a Fred qui est parti pour essayer de push la lane. Ils sont face à Narcus. Il devrait pas se passer grand chose. Dans la jungle, qui va prendre. Ouais, le red buff va sans doute être laissé à Nono vu qu'il a plus de range. Pour le cutting, ça va être beaucoup plus important. Ouais, je pense. Puis même, hein, ça lui donne en quelque sorte un outil pour se défendre. Le red buff, un peu de CC en plus pour ce Jean. Et d'ailleurs, Nono qui est reparti sur la bot lane, récupérer son farm. Mais il est face à la Leblanc, il faut qu'il se méfie. Il n'a pas le droit à l'erreur au niveau du positionnement. Ah. Le petit Nono. Wills qui utilise son ultime pour revenir près de la mid lane. Melon qui met beaucoup de dégâts à Crackmo, qui est pris à partie directement par l'ultime de Ilum, qui se fait stun et ça va être le kill ramassé par Crackmo. C'est ce qu'on appelle un très beau bait Gardoum de la part des gros bills. Très 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 beau bait là de leur part avec la pink ward qui avait été positionnée contre le clone de la Leblanc. Kajiri qui va tout de même se positionner en défense. Voilà un Crackmo qui a très bien tenu à distance et Fred qui va récupérer la T1 du côté du bot. Fred qui est très très bien dans cette game comparé à la semaine dernière. C'est le comeback du joueur, l'hydro titanesque sur cette Fiora qui va pouvoir faire un split push monstrueux, la téléportation qui est up des deux côtés. Au top, on a Dylan qui est parti récupérer son farm. Attention, Crackmo, oh, le flash on bureau. L'ultime de Kajeri qui est lancé derrière. Narcus qui arrive, Narcus qui va peut-être. Ultime, non, qui se fait prendre à partie. Fred qui est sur Kajeri. Attention, Narcus qui essaie de s'échapper, qui se fait exhaust. Pendant ce temps-là, Fred qui continue de chase Kajeri. Et Narcus qui balance l'ultime sur Wiz qui se fait tuer par Crackmo. Oh là là, les gros bills qui enchaînent vraiment. L'ulti de la part de Nono qui a tenté de mettre des dégâts. Ilum n'a pas encore perdu assez de PV. Nono qui essaie d'anticiper un peu. Ouh, celui-là il touche. Attention à Wiz. Wiz qui est bouillant là-dessus. Les Igolois viennent de perdre deux de leurs joueurs. On se doit d'être prudent dans cette phase de jeu, conserver la tour. C'est tout ce qu'ils doivent avoir en tête. Le poke là sur Gob et le culling de Dylan qui est dégainé un tout petit peu tard. Melon, Crackmo là qui ne tombera pas sur cet enchaînement du midlaner des Igolois. Gob qui a pris de ses dégâts. Je soupçonne un petit critique proc de Trinité de la part de Crackmo quand même là-dessus. Parce que les HP ont disparu à une vitesse grand V. Alors Fred qui part sur le phage, on va avoir un Black Cleaver qui devrait pas trop tarder. Par contre Narcus qui sur ce fight il a pas ultime très tôt, il est revenu après dans le fight après l'exhaust pour essayer d'ultime ramener sous la tour, il s'est fait exploser. Melon qui met beaucoup de dégâts à Dylan qui n'a plus de mana. Ce petit jug à part de Dylan et regardez qui est là, c'est Fred à la réception et il s'est trompé. Ah non pardon, c'était le bon. C'est le bon et le sondeur on a failli toucher du côté de Weed. Que Narcus va retourner l'engage de Kajeri. Fred ouais, dans la mêlée, le package à part de Crackmo qui split les rangs des Gaulois. Crackmo chase désormais, Narcus va pouvoir s'en tirer. Mais les dégâts des gros bills sont vraiment hyper importants. Gob est obligé de se retirer également de ce fight. Les gros bills qui font la loi dans la jungle des Gaulois. Et on va aller récupérer ce dragon Gardoum. Très très belle rotation, ils ont anticipé le fight, en tout cas Gob qui a fait un TP in et malheureusement qui n'a pas été fructueux. Ils vont pas pouvoir tenir la tour mid, ça va être compliqué, ils ont pas beaucoup de dépush, le shield de Brom qui a empêché ça. Le Drake récupéré par les gros bills et la tour mid aussi, on repart avec 2k gold d'avance à part des gros bills. L'ultime de Ilum qui est utilisé pour disengage sur Melon. On va être sûr, hein. Aucun risque pris. La gros bill qui vient de sécuriser de nouveau de l'avance Gardoum. Deux objectifs qui ont été pris instantanément. C'est dur pour les Gaulois, mais tout à l'heure pareil, il y avait 2k gold de retard et la tendance sur une très bonne action, ils ont réussi à effectivement à inverser la donne. Donc il faut se méfier, hein. Rien n'est fini, on l'a vu. On semblait s'orienter vers un gros snowball gros bill et finalement on a eu des Gaulois qui sont revenus dans la game, mais voilà, ça s'inverse de nouveau. C'est le jeu du chat et de la souris. Le gantelet givrant qui est terminé sur Narcus et on a Kajeri par contre qui est passé à 0-0-6. Il a... Et du coup, Narcus il décide de finir son gantelet givrant avant de finir son item jungle. Après, il a besoin d'armure beaucoup quand même par rapport à la team adverse. Bon. J'ai pas vu, c'est... Ah, on sait pas s'il a pris la force des âges en masterise, en keystone. Ah, on n'a pas accès à ça. Alors maintenant, tu le vois pendant le chargement des games. Ouais. Tu vois le masterise, c'est pas mal. Il manquerait plus qu'il le mette sur le mode spectateur. Ça serait bien. On a déjà une minute de pause. La Fiora qui a maintenant son marteau de cold dig, un petit peu de CDR supplémentaire. Tu connais vraiment le nom de cet item? Oui.
Tu es un spécialiste, Gardoum, y a pas à dire. Moi, depuis qu'on m'a enlevé le brutaliseur, je comprends pas, tu vois. Bah, le brutal. Je l'appelle le mal, truc, cet item, ou le marteau, tout court. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'ai conscience que c'est un marteau au niveau de la forme. D'ailleurs, hein, double marteau du côté de Fred. Double marteau. Stuff. Phage. On a les deux. On a l'ex-drinker qui est prêt côté Crackmo pour éviter de prendre trop de dégâts. On le voit, ça fait toujours très très mal le blanc. Mais avec le proc de shield ex-drinker, on pourra plus faire one shot. Oh, l'engage de la part de Kajiri, mais tout de suite le pile de la part de Ulu, mais de Wiz, Melon qui s'est jeté en mêlée. Crackmo qui prend d'énormes dégâts, c'est le kill en faveur. Non, 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 Mister, non, non, body. Et on va chercher derrière à finir l'action. Ouh, le burst de la part de Gob également et la pluie de dégâts de la part de Nono. Ouais, par contre, du côté des Golos, on le sent quand ils arrivent à poser des dégâts. Ouh, Melon, le backdash après le kill sécurisé sur le support des gros bills. Elle est vraiment étrange cette game, Gardoum. Parce que t'as l'impression que gros bills font les actions et tout machin. Et là, d'un coup, Igolois s'énerve, fait un fight, emporte 3-4 kills et revient complètement dans la game. C'est ça, Igolois, c'est qu'ils arrivent à engage et à positionner leur frontaine avec les carry derrière qui blastent. Et bien. Ils remportent les confrontations. Tu les sens en colère. En fait, t'as vraiment l'impression que Grobil essaie de faire un jeu construit et posé. Et t'as les Golois qui, à un moment, voilà, comme tu dis, s'énervent, sont en colère. On se laisse pas tuer comme ça. On retourne dans le tas. C'est marrant comme game. C'est agressif. Ça bouge beaucoup. Narcus qui va aller récupérer une fois de plus le blue adverse. C'est le sien. Ah, c'est compliqué. Witz qui vient le contester. Il pourra pas rester. On sent beaucoup de colère en Gob. Gob. Gob, il est pas content. Il s'est fait camper au début. Il veut se venger. Effectivement. On tente la chaîne du côté de Melon pour peut-être steal ce blue buff, ça ne passera pas donc. Et on se retrouve de nouveau à peu près dos à dos, Gardoum, avec petit avantage quand même pour les Gaulois. Très léger, mais ça se joue à pas grand chose. Gob qui a plus de farm que Fred, il a mis un early game compliqué, on l'a beaucoup campé, 26 de plus, bon une quinzaine maintenant, il a le Rapid Fire Cannon qui est up aussi. Oh, 7 le blanc, par contre j'avais pas vu Melon qui a l'écho de Luden. Ah, j'adore cet item sur le blanc, franchement avec le... Avec l'abyssal. Bon, là, Melon, moi, il fait le build que je préfère vraiment sur le blanc. Je trouve ça hyper efficace. Il est là pour le kill. Hein. Clairement, il arrive sur quelqu'un, il tue cette personne, il repart comme une fleur. En fait, là, pour Corki, même avec Exrinker, ça risque de pas être suffisant. Il pourra à peine survivre au burst et il va devoir instantanément reculer, sortir du fight. Et encore, je demande à voir avec l'Ignite, si tout est positionné de la part de Melon, je suis même pas sûr que ça suffise. Parce que vraiment, l'écho de Luden plus Abyssal, c'est un pic de dégâts pour la Leblanc qui est colossal. À voir les bots par lesquels il va finir. Est-ce qu'il ne partirait pas sur des Mercuries, justement, Crackmo? C'est moins optique les, les bots de sorcier. Mais pour le coup, une fois que t'es mort, tu fais pas beaucoup de dégâts non plus. Alors, il y a le héros de la le baron, pardon, qui up. On se retrouve autour, on va récupérer la Pink Ward, on essaie d'avoir le contrôle de la vision et autour du cristal, baron. Le cristal du Skarner également très important pour permettre au pic de s'exprimer sur ce genre de phase de jeu quand on danse autour du Nashor. J'avais pas vu l'avance de stuff qu'il y a de la part de Dylan, il a 56 de plus que Nono et complètement un item entier, enfin un demi-item de plus, le Rapid Fire Cannon qui est fini pour lui alors que Nono n'a que le zèle pour le moment. Et dans le dur, on en a 130 CS. Et depuis tout à l'heure, le problème, c'est que les deux équipes se regroupent et teamfight. Et là-dedans, un carry AD, en fait, ça a forcément du mal à trouver du farm. Et là, il en trouve un peu Nono du côté du bot. Il doit être bien satisfait, je pense. Côté, par contre, Kajiri, j'ai l'impression qu'on a pris les bots rang 3 directement avec la réduction de CD du flash. Ce qui est pas mal du tout sur Leona, ça se justifie complètement. Ils ont besoin de cet engage. Ah ouais, je pense aussi, hein. Surtout qu'on a vu que dès que les Gaulois arrivent en gauge, attention, alors Fred il a le flash, Nono a ses deux summoners également. Pourquoi il passe pas par derrière Fred? Je sais pas trop, il craint peut-être, ils ont pas beaucoup de vision en même temps les gros bills dans la jungle, ils craignaient peut-être un peu. Ouais, mais en ce cas là t'as l'air avec ça qu'il peut venir en couverture, il y a des moyens quand même je trouve de trouver la différence. Ça se regroupe côté Igolois, on fait attention. Le back de Nono qui va sans doute finir son Rapid Fire Cannon. Ouais, là du coup, pas encore l'item. Alors le Black Cleaver est fini côté Fred, l'hydro titanesque
Il manquerait plus là-dessus qu'un petit Stera qui après on remplace l'Hydro Titanesque par la Ravenous Hydra. Est-ce qu'il va pas faire un... Est-ce qu'il va pas faire un Ex-Drinker lui aussi contre la Leblanc potentiellement qui est peut-être le danger numéro 1 de cette équipe Igolois. On pourrait partir sur cette option hein, si on décide de teamfight, mais il a déjà beaucoup de points de vie. Ce sera un Fred, ce ou alors il peut visage spirituel, c'est également un excellent item. Clairement, et sur Fiora. Bah, le fait d'avoir un heal déjà sur le passif, c'est. Enfin, en plus des dégâts que ça fait, c'est assez insane comme truc. On a le Targon qui est terminé côté Kajiri au cas où il y a trop de burst. Attention, Narcus qui s'échappe. On essaie de poke pour Gob, mais ça ne passera pas, pas assez de range. Narcus qui c'est parti, le fight, la frontline contre frontline. Bataille d'hommes entre les deux équipes. Oh, les dégâts sont importants. Et c'est les gros bills qui s'imposent. Oui, pour l'instant, frontline également. Gob qui s'arrive. Oh, Gob le doublé derrière, regardez qui est là. C'est Nono. C'est Nono qui met des dégâts et qui finit les kills. Pour un doublé avec son Jhin, les Gaulois qui détruisent les gros bills. J'ai eu un petit doute à un moment, tu sais, la première phase de Burst des deux équipes. Tu regardes les points de vie qui baissent, tu dis bon, qui gagne? On n'est pas sûr. On a eu Kajiri qui est rentré dans la mêlée et juste après là-dessus, tu as eu la distorsion de Melon, la double distorsion avec l'ultime de Gob derrière. Ça a complètement shred la team adverse. Ensuite, au moment où ils ont reculé, ils sont repartis dans le tas pour les tuer un par un. Et derrière, t'avais Nono. Mode sniper, il s'est mis en mode tourelle. C'est très très long à se recharger quand même par contre hein, les munitions de Jhin. C'est spécial, mais je crois que c'est leur très grande trouvaille cette saison, le concept des munitions. Ils aiment bien. C'est intéressant, ça change beaucoup beaucoup le gameplay. Et du coup les teamfights tu vas gérer complètement différemment. C'est-à-dire qu'au début tu vas faire tes 4 shots et après bah t'es obligé de faire tes spells de toute façon. Tu peux pas te dire je vais attendre que ça se recharge. C'est vrai qu'ils essaient de sortir des champions différents au poste d'ADC. Des auto-attaqueurs, il y en a. Mais ils ont pas tant la cote que ça, hein, les purs auto-attaqueurs. Bah, plus trop. T'as eu MF à un moment, bon, pareil, il y a beaucoup de spells. Ouais, MF, il y a beaucoup de spells. Ashe, Caitlyn, je la considère même pas comme un auto-attaqueur. Ashe, Caitlyn, Tristana. On a eu une Jinx ce matin. Ah, Jinx. La bulle Runan d'ailleurs. Runan, bah, depuis que ça donne du crit, c'est devenu un thème qui est vraiment bon sur ce genre de perso. Et sur Narcus. Il y a un ulti disponible hein, pour le support des Igolois, pardon, pour le support pour le jungler. Et c'est Fred qui va être ramené là-dessus et totalement contrôlé, totalement burst par les Igolois. Ouais, sur un ulti Narcus, le malheureux qui le prend du côté des gros bills, il a aucune chance en tirer. Krakmo qui va tomber sous les dégâts de Melon. Gob qui enchaîne également, c'est le chase de la part des Igolois. Les gros bills vont pouvoir se réfugiés du côté de leur T2 au bot, mais ils sont en train de complètement craquer en teamfight. 2 pour 1 plus un Drake de la part des Gaulois. C'est dur en fait, les gros builds au début ont réussi à gérer, mais parce qu'il n'y avait pas eu vraiment. Dès qu'il y a eu des gros teamfights, à chaque fois il y avait une grosse engage des Gaulois. Et c'est follow-up par Gob, par Melon derrière, ça met d'énormes dégâts. On prend une tour supplémentaire. Attention, Witz qui prend énormément de dégâts, qui va tomber sous les coups de Melon. Narcus qui enchaîne peut-être, il slow énormément. Il est insupportable, un Narcus pour ses adversaires avec son Gantelet givrant. Melon qui essaie toujours de trouver des opportunités. La chaîne qui va toucher sur Illum, est-ce qu'on va enchaîner? Non, la réponse est non. Et Nono qui disengage avec ses coéquipiers, l'inhibiteur est pris. Le gros. Il assure quand même en teamfight. En teamfight bien rangé. Tu sens que la draft des Gaulois fait la différence. Par exemple, on a Fred qui a du mal à s'exprimer en 5v5 paquet. Et puis Narcus avec son ulti peut vraiment choisir une cible s'il a son flash. Et ça ne pardonne pas. Une fois Fred qu'il a pas le temps loqué de jouer, quelqu'un. En fait. Il aurait besoin de QSS Fred là-dedans. Une fois qu'il a sa QSS, justement, oula, s'il se fait focus, il est tranquille. Quelques dégâts qui sont pris de la part du clone de Melon. Mais du coup, depuis ce fight au Drake, ça a fait Drake, l'Ace au Drake, ça a fait le Baron. On a récupéré 2 kills, plus le Drake finalement, qu'ils ont pris plus tard. 2 tours, 1 inhibiteur. Grosse avance des Igolois là-dessus de 7k gold. Ils sont bien lancés, mais attention, Gardoum. On a vu dans cette game que rien ne semblait gravé dans le marbre. Ça bouge énormément. On peut avoir des throws, on peut avoir des comebacks encore. 27 minutes, 29 kills. C'est pas mal, il y a de l'action. Nono qui va essayer de récupérer un peu de farm, qui va même réussir d'ailleurs, et qui partirait comme item là sur une BT sans doute. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. Ouais, parce que finalement, un cimetière mercurial aurait pas trop de sens, je pense, face à la draft. Ça se fait plus avec la BF, le cimetière mercurial maintenant.
Oui, c'est vrai. Il reste d'ailleurs l'essence river qui reste à peu près tout. La fausse spectrale pour peut-être avoir des ultimes plus souvent, ou son Z pour route un peu plus en teamfight. C'est assez limité quand même. Ils sont lancés là les Gaulois Gardôme avec ce Baron Nashor. Je sais pas si c'est dans l'intérêt des Grobis, il devrait un peu plus speed je pense avec la Fiora. Surtout que Fred a son TP d'up. Hein. Il y a le TP d'up côté Fred, il a maintenant pas mal de stuff. S'il joue de toute façon les teamfights rangés, ils les perdent. Il faut absolument jouer le speed, mais ils ont pas de quoi des push beaucoup non plus. Ils ont bon, il va avoir un ultime de Lucian. Quelques roquettes de Corki, mais c'est pas engage. Attention, Kajeri qui fait l'engage. Qui fait son direct. Regarde, c'est Witz qui a été ramené par Narcus. Alors, c'était pas forcément la meilleure cible. Ça reste une Rek'Sai quand même qui est très tanky. Narcus qui enchaîne, les contrôles sont bons. Et finalement, les Gaulois vont prendre le kill. Melon qui se jette dans mêlée. Le dash là qui fait d'énormes dégâts. Le finisher de la part de Nono là-dessus qui met des dégâts. L'ulti de Illu, mais c'est un ace en faveur des Gaulois qui vont pouvoir finir la game là-dessus. Clap clap, très beau fight de fin. Un triple kill. Pour Nono, c'est vrai que c'est puissant hein, cette ulti Jhin, très une puissant. Fois que les adversaires sont low. Et ce qui est magnifique, c'est que t'as une technique avec Lee Sin, tu mets, enfin tu, quand l'adversaire se met derrière un creep, tu smites le creep et tu fais ton Q. Et là t'as eu l'impression que Melon a fait un peu pareil sur le Brome, il tue le Brome pour permettre à Nono de tuer derrière le survivant. Très belle game de la part des Igoloins. Un early un peu compliqué et dès qu'ils ont réussi à prendre des teamfights, ils sont revenus dans la game et on les croit. C'est beau quand même fois. Qu'ils aient réussi à comeback de cette ulti. Enfin, de cette early, pardon, très compliqué de Gob. Ils ont il part quand même à 0-3, Gob. Enfin, à 0-3, est totalement campé par Wiz. Mais ils ont trouvé les ressources en teamfight, en équipe. On avait Narcus et Kajeri en front lane. Ils avaient une très bonne engage. Et derrière, Nono pouvait poser des dégâts. Là, le blanc de Melo arrivait toujours également à faire la différence. En fait, les teamfights très, très paquets, c'était pas la bonne solution pour les gros builds. Je pense qu'ils ont pas assez split push avec cette Fiora. Ils ont trop cherché à... relever le défi du 5v5, mais je pense que c'était vraiment une mauvaise option pour eux parce qu'ils l'ont payé vraiment cher. Hein. À chaque team fight, à partir du moment où les Gaulois avaient une nouvelle fois repris le dessus, la deuxième fois, parce qu'il y a eu, deux fois. La deuxième fois, lorsqu'ils ont réussi à comeback, derrière, ils n'ont plus rien lâché au niveau des teamfights. Hein. Leurs adversaires n'ont rien pu faire. Ils ont eu l'avance en dégâts requis, c'est-à-dire que tu as Kajeri qui arrive dans la mêlée, qui généralement met son E, son ultime sur 3 personnes minimum à chaque fois, c'était vraiment bien placé. T'as Gob qui met son ultime, son Q-spell, et t'as Melon qui arrive par derrière, double distorsion. Tu shreds complètement la team et ils ont pas de quoi revenir là-dessus. Ils avaient pas de quoi les bump à l'extérieur, pas de Janna, rien pour les splits. Malheureusement, une fois que c'est paqué, tu peux plus rien faire. Fred qui n'a pas su jouer malheureusement le split push alors que c'était peut-être leur seule option là-dessus. C'est la meilleure option, je pense, clairement, du côté des gros builds, surtout quand on avait un peu d'avance. Ça fait un zéro dans cette petite finale de la des challenge France, donc... Igolois qui est plutôt bien parti, mais attention, vu le déroulé de la première game, honnêtement, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. J'aurais du mal à me prononcer hein, sur l'issue de la deuxième game, Gardoum. À voir selon la draft. Encore une fois, elles avaient une draft qui correspond à leur style de jeu, très agressif. On essaye de faire du plus gros teamfight, paquet, voilà, avec Nono derrière qui est protégé, qui peut mettre des dégâts. Un Melon qui profite de sa frontline également pour pouvoir aller positionner énormément de dommages sur les squishy. Adverse avec ça le blanc. Bref, pour l'instant, ça a bien fonctionné. Igoloin 1-0 contre ces gros billes. Mais il reste deux matchs potentiels. On se retrouve après une page de publicité sur Ogaming pour le deuxième match de cette petite finale. Deuxième match du BO3. A tout de suite. Et on est de retour pour la phase de draft de cette deuxième game, Gardoum. Igoloin contre gros billes. On est reparti. Ça fait 1-0. Pour les Gaulois actuellement, et donc ban. Alors il faut inverser les noms des équipes. Les Gaulois à droite. On a ban GP, Kindred, Rek'Sai et côté Gaulois. C'est les mêmes bans qu'à la précédente. Pareil. Non, sauf mis à part Rek'Sai n'avait pas été ban. On parlait justement ban Rek'Sai. On avait Poppy qui avait été ban. On avait Poppy qui avait été ban et pas Rek'Sai. Et par contre, côté gros bill, on ne laisse toujours pas Narcus jouer Fiddlestick. On ban aussi Thresh pour Kajeri. Et le blanc s'est très ciblé sur Melon. Voilà, on a vu là, le blanc de Melon plusieurs fois dans ce tournoi, c'était toujours violent, très violent, on ne le laisse plus. Par contre, Witz qui a pu avoir sa Elise d'ailleurs, qu'il a énormément joué aussi. Attention à la Elise de Witz, pas moins fort en gang que la Rek'Sai, un style un peu différent. Et le cocon lorsqu'il touche, hein, qui peut vraiment faire la différence, qui peut apporter des kills. On a des piques par contre très très contestés normalement côté Igolois, on a Gob qui va être sur Poppy qui a un pic, généralement pic ou ban justement, et Corki, hein, on va essayer de voir si Melon est mieux sur Corki que Crackmo, à moins que Corki soit AD, mais j'y crois pas trop.
quand même très très fort hein, au poste de mid laner, Corki actuellement. Et le Grey, d'accord, le triple ADC du côté des Igolois. Bon, on fait les choses bien. Hein. Quitte à avoir Poppy pour cover TK Riyadé, pourquoi pas. C'est pas mal du tout. Et on a Gnar qui va être au top sur Fred. Alors, on aura sans doute une Morgana qui va être bot en support avec un Ezreal. Ça, ouais, beaucoup de poke du coup de la part des gros builds. Beaucoup de poke alors que. Avec une frontlane quand même, de l'engage, du disengage et du poke du côté des gros builds. Mais attention, hein, s'ils perdent leur carry, s'ils perdent le Ez et le Vel'Koz, ils vont être en grande difficulté les gros builds. Encore une fois, en gros teamfight rangé. Alors ça dépend. Il faudrait, les gros builds sont pas mal. Il faudrait un dernier tank quand même côté gaulois. Mais si tu mets. Est-ce qu'ils vont mettre quelqu'un qui peut engage? Est-ce qu'ils vont mettre la Poppy top et le Graves dans la jungle? Ah, ça va être ça, je pense. Un Poppy top, Graves jungle. Et là, c'est bête. Ou mais alors, vu leur compo, voilà, ouais, gros Muleona pour faire l'engage dont ils ont besoin. Parce que le problème, c'est qu'en face, tu vas avoir. Bah, t'as potentiellement une team de Morgana, un ultime de Gnar qui va te paquer contre un mur. Et derrière, un bon coup de laser de la part de, Krakmo, ça peut faire très mal. On a vu qu'il était plutôt bon d'ailleurs, Krakmo, durant ce tournoi avec Vel'Koz. Oui, il a une bonne tenue de lane. Après, sincèrement, il va évoluer contre un Corki, qui est un des meilleurs midlaners actuellement, je trouve. Poke, déplacement sur la map. Crève dans la jungle, vraisemblablement, pour ces Gaulois et pour Narcus. Crève jungle. Il n'y a pas masse de CC, quoique sur la bot lane, tu auras notamment l'ultime de Braum, tu as le passif de Braum, tu as le root de la part de Jin tout de même. Après, top. Bon, sur le top, il y a un peu moins de CC, de toute façon, c'est face à un Gnar. Je vois pas comment Poppy peut gagner face au Gnar, il va rester vraiment hors portée. Et Nono qui insiste sur son pick Jin. Mais c'est vrai, on l'a vu dans les teamfights. Honnêtement, le champion, quand il est bien cover, et ça devrait être le cas. Avec un Braum et une Poppy, le champion, quand il est bien cover, fait vraiment un carton. Bah, il est tranquille, c'est-à-dire qu'il va mettre ses 4 cartouches, puis ses spells, et ensuite il finit par l'ultime, justement, pour ramasser un peu tout le monde. Généralement, le teamfight à ce moment-là est déjà quasiment terminé, et c'est du ramasse-miettes. Hein. Et encore un choix intéressant, je pense, Braum, du côté des Igolois. Ah, au vu du poke adverse, ça va bloquer. Alors, c'est Illum qui l'avait joué hein, sur la partie précédente, le Braum. Ouais. Et là, je pense que c'est un bon choix hein, contre la draft des. Contre la grave des Robils, contre un Ezreal, contre un Vel'Koz. Alors par contre une Morgana, ça ne peut qu'être intéressant. Exo sur Corki, je suis un peu perplexe quand même. Bah, parce que jouer Ignite. Bah c'est ça, ou au pire une barrière si vraiment tu crains un gang de Elise. Parce que tu vas pas être à portée en théorie du Vel'Koz, t'es pas non plus à portée du Ezreal. Sur les packages tu l'es, Gardoum. Ah sur les... Quand tu te jettes dans la mêlée. Ok, mais... Est-ce non mais bon, c'est pas forcément une justification. D'autant qu'il fait des dégâts bruts aussi Vel'Koz en plus. Donc ouais. Les dégâts bruts, l'exhaust, bon. Ok, pourquoi pas, je sais pas trop. Je suis un peu perplexe sur cet exhaust. C'est la seule chose qui me fait très bizarre en fait côté Igolo actuellement. Mais après, bon, au niveau de la draft, on est sur des picks qu'ils apprécient particulièrement. Hein. Et sincèrement, ça va pas être facile pour les gros builds d'engage convenablement. Ils vont se heurter à la Poppy qui risque de bloquer le Gnar. Le Gnar, il pourra pas faire de gros engage à base de double jump. Il pourra pas, mais tu peux très bien avoir l'engage de la part de Illum. Illum qui fait un flash in ultime, hein. Morgana, c'est classique. Et une fois que les gens sont stun, t'as Fred qui peut arriver dans le tas. Ouais, mais ça passe rarement quand même. Hein. Mais non, Fred peut complètement aller dans le tas. Il a le Black Shield. Black Shield sur Fred et il peut sauter dans la mêlée pour faire la fameuse engage. C'est vrai que Morgana peut lui permettre de faire ça. Alors il faudra le Black Shield, mais bon. D'un autre côté, vraisemblablement, qui d'autre en aurait besoin? Ezreal va être hors de portée à Poke, Vel'Koz pareil, Vel'Koz Elise aussi, sur le côté ouais. Peut-être en flanque. Finalement, le Black Shield sera pour Fred là-dedans. Bah écoute, ça risque d'être intéressant du coup, côté gros build, voir comment ils utilisent leur draft à ce niveau. Mais effectivement, s'ils arrivent à poser les dégâts du Vel'Koz et du Ez et à maintenir en place leur front lane, ils peuvent avoir un résultat intéressant en cette game. Mais attention, ce qui est gaulois, il y a tellement de dégâts. C'est-à-dire que là, pour Fred, s'il choisit une option, par exemple, Gnar split push, il va manquer de tankiness en fight. Donc il va falloir faire des choix quand même. Veut tenir la Poppy ou est-ce qu'on veut être efficace en teamfight? D'un autre côté, on n'a pas vu Fred faire beaucoup de split push. Non, c'est vrai que c'est la partie précédente avec Fiora, il s'était concentré sur la team fight. Même la semaine dernière, c'était pas ouf niveau split. Il est plutôt de genre à aller se fight avec sa team, ce qui
ce qu'il aurait peut-être pas dû faire la game précédente. Mais là, en l'occurrence, s'il veut se fighter avec la team, peut très bien adapter le stuff, faire un truc très tanky. Il y a moyen. Ils ont de quoi faire des compos. Enfin, des team fights, pardon, les gros builds. Ils ont de quoi les prendre, les fights. Il faut oser les engage, par contre. C'est là que c'est plus compliqué. C'est-à-dire que t'as quand même beaucoup de dégâts de la part des Gaulois qui peuvent te dire, attends, si tu veux engage, vous allez perdre une à deux personnes. Vous pouvez essayer. Mais c'est ça. Bon. Il va falloir se méfier, hein. Graves, Corki, et bien entendu la capacité de finish d'un Nono avec un Jhin. Qu'on a vu, hein. C'est juste au dernier teamfight, il a récupéré deux kills avec son ultime au moins. Alors, y a-t-il des questions? C'est un BO3, un BO5, un BO3. Un BO3. Avec la et actuellement, il y a un 0 pour les Gaulois. Donc s'ils remportent cette game, ils sont 3e du Challenge France. 3e. Ce qui serait bien pour une équipe qui n'a pas de prétention. Enfin. Qu'il n'y a pas de vraies prétentions compétitives. C'est-à-dire qu'ils font ça, mais il n'y a pas derrière de gros entraînements de leur part. Enfin, on ne peut pas dire qu'il y a de la tryhard de la part de cette équipe. Mais il y a des bons talents quand même individuels. Bah, ils ont tous joué quand même à très haut niveau, on peut le dire. Hein. Ils ont tous été au moins challenger au minimum une fois. D'autres qui le sont encore. C'est comme une team qui a beaucoup de niveau, qui a beaucoup de sympathie aussi de la part des gens en général. Ouais, les gens les apprécient effectivement pour leur personnalité. Mais on rappelle que les 3e, du coup, ceux qui gagnent aujourd'hui, gagnent 1 500 €. Les 4e remportent 500 €. Et qu'actuellement, nous avons déjà les Infamous et les Millennium qui vont jouer la finale à la Lyon eSport le 26 février. En BO5, pour le coup, ce sera en BO5, donc devant le public du Palais des Sports de Lyon. Blind Pink sur la dernière game ? Non, ils ne le font pas, ça. Dommage. Eux, ils ne le font pas. Et on est parti dans la game, donc ce Challenge France, les gros bills e-sport contre les e-gaulois. C'est la deuxième game, potentiellement la dernière si jamais les e-gaulois arrivent à arracher une victoire. Ils ont ce qu'il faut pour l'arracher. Ils ont ce qui est intéressant, là, comparé à la game d'avant, ils avaient uniquement de l'engage. Là, ils ont Brome qui peut temporiser complètement le fight, disengage un peu, mais qui peut aussi très bien faire l'engage. Hein. C'est pas mal du tout à ce niveau-là, Brome, c'est plutôt versatile. On commence la game par une pause, reconnexion de la part de Ilum. On va bientôt pouvoir lancer donc, et je suis très curieux. Grobil, Blue Side, Igolois, Red Side. Et la Poppy qui part avec une potion de corruption contre la Doran Blade du Gnar. Alors, assez standard. C'est pas un match-up que je connais beaucoup, top, mais Poppy face à Gnar, enfin... Gnar a beaucoup trop de range, de quoi temporiser la Poppy. Je suis pas sûr qu'il la craigne vraiment. Sur le papier, Gnar a toujours été un bon champion contre les corps à corps. Et sachant que c'est vrai que Poppy n'a pas cette capacité à sustain comme une Fiora, à rapidement arriver au corps à corps, mettre quelques dégâts, sustain. Donc je pense que Fred dispose de l'avantage dans le match-up. Mais attention au gank. Ouais, gank. On l'a vu sur la partie précédente, sur la top lane, ça a beaucoup bougé. Avec un Weeds hyper actif dans sa partie. Il avait essayé de mettre Gob au fond et finalement ça a énervé les Igolois. Ils ont pas beaucoup aimé qu'on touche à Gob. Ils sont revenus dans la game mais de façon assez violente. Après, Wills a cet avantage, c'est que une Poppy ça n'a pas d'escape concrètement. Une Elise ça peut dive assez facilement. Au bot pareil, Jhin pas d'escape. Ça fait beaucoup de CC, on a le cocon, on a la cage de Morgana. Il y a de quoi prendre un petit avantage en early là-dessus, mais ça va être une fois de plus Wids qui va devoir donner le rythme. On attend beaucoup de lui. Hein. Pour moi, c'est vraiment le joueur qui fait le jeu dans son équipe. Si ses laners peuvent être solides, c'est quand même le joueur qui est censé faire le plus la différence, je pense. Dylan et Illum, on l'a vu, hein, ont eu des difficultés face à Nono et à Kajeri. Au mid, bon, Melon sincèrement avec un Corki. Il ne devrait avoir aucun problème contre ce Vel'Koz. Et le top, voilà, il faut voir ce que peut faire Fred avec son Gnar face à Gob. On est lancé donc, Gardoum. On est lancé Gardoum, Nono est dans la game. Nono qui joue Jhin comme le perso sorti à peine hier. On a déjà Nono qui est dessus en tournoi. Et qui tryhard. C'est beau. C'est très beau, moi, je trouve. C'est faux oser. C'est ce genre de choses qu'on aime voir. Alors, bon, que du très très classique. Ça cover la jungle un peu partout. On évite de prendre des risques, hein. C'est la méta actuelle. Alors, est-ce que cette fois-ci on aura encore du coup Wids qui va très très rapidement aller gank sur les lanes et laisser 3 buffs à Narcus?
Bonne question. Alors oui, déjà, où est-ce qu'il va commencer? On dirait qu'il va start du côté de son Blue Buff. Cette fois-ci, je pense que Gob va être prudent et il risque de poser une ward. Pareil, je pense que Narcus va poser de la vision justement à l'endroit où il est, histoire de cover son top laner, être sûr qu'il ne risquera rien, parce que c'est vrai que sur la précédente, on a vraiment eu un Wit qui a mis au fond Gob, mais pas suffisamment. Il a su renaître. Il a toujours réussi à farm Gob, il était même en avance devant Fred à un moment. Par contre, c'est sur la botlane Dylan qui avait, je crois, 40 ou 50 CS d'avance sur Nono. Oui, effectivement, quand les deux équipes ont commencé à regrouper, le score de sbire de Nono a pas vraiment bougé. Il avait ses 50 CS d'avance. Alors, Wiz et Fred, on travaille au niveau du gromp là pour les deux joueurs. Pour l'instant, un starter qui ressemble à celui de la partie précédente, à savoir Wiz qui start top side de la map. Oh, est-ce que ce serait pas Ilum qui aurait pris le gros golem? Je crois que c'est Ilum qui l'a pris là-dessus. Il me semble, parce qu'ils avaient 1-1. Donc il passe niveau 2. Oh, la cage sur Nono de la part de Ilum et la protection de la part de Kajiri. Mais Nono est en difficulté. Flash out du côté de Nono. Là-dessus, oh, ça se joue à rien du tout. Le heal de Nono, il a vu Dylan tenter le flash auto. Et c'est... Nono qui se heal. C'est pas passé. Ça part très très mal. Hein. Alors, comme tu l'as dit, Gardoum, bien remarqué, la Morgana de Ilum qui est passée niveau 2 super rapidement. Et ça a totalement pris à défaut les Gaulois. Pour le coup, c'était pas prévu de la part de Grobil à mon avis, mais ils se sont adaptés très rapidement à la situation. Et c'est vraiment intéressant, voilà, quelque chose se passe. Pas comme prévu, on a Morgana qui prend plus d'XP que ce qui aurait dû être fait normalement, mais elle utilise cette XP pour justement mettre une très très grosse pression. Et là-dessus, on a un Nono qui va être out level et qui prend déjà un retard de farm. Oh, c'est compliqué hein, pour Nono, on va voir si Narcus et Kajiri peuvent réussir à le remettre dans de meilleures conditions. Oh, le poke de la part de Krakmo sur Melon, très bon enchaînement là de la part du Millainer Grobil. Attention, le Q qui ne passera pas. Krakmo, on l'a vu de toute façon, il a toujours tenu avec Vel'Koz tous ses matchups, hein, que ce soit face à des Leblanc, face à n'importe quoi. Ah. Un Arcus qui attend Wiz dans la jungle, qui va essayer de mettre le burst. Wiz qui recule, qui va s'échapper. Attention, plus qu'un tir. La recharge de Graves, ça c'est le moment frustrant quand même pour Graves. C'est le moment où tu recharges. Et il va aller chasser Narcus. Attention, le Q-spell là-dessus qui ne touchera pas sur Wiz. Ça ne décale pas dans la team de Wiz, on ne vient pas l'aider. Wiz qui va faire son back. Narcus, bon, je pense qu'on n'est pas confiant hein, parce que Wiz a été pas vraiment en état d'aider. Donc si tu décales face à un Graves Narcus double buff. Qui arrive au mid sur Krakmo. On met la smoke screen, on essaie de mettre un petit burst. Melon qui suit et le heal utilisé par Krakmo pour survivre à ça. Oh, agressif Krakmo qui flash in. Mais ça, c'est vraiment le genre d'action qui peut lui coûter cher pour la suite de la game, Gardoum. Il décide de flash, certes, il prend le flash de Narcus, mais derrière, il risque d'être en danger sur sa lane. Et lui qui aime jouer agressif, ça le dessert plus qu'autre chose, je pense. Ça va être très dur pour lui, c'est pas d'escape sur un Vel'Koz. Bon, Narcus qui n'a plus de flash, mais il n'en a pas trop besoin comparé à lui. Maintenant, sur le premier package, ils peuvent kill les Gaulois. S'ils se coordonnent bien sûr. Ouais, il devrait être tranquille à ce niveau-là. Au bot, on a Nono bon, qui pour l'instant a récupéré le retard au level. On devrait bientôt avoir le level 4 sur Dylan. Voilà, c'est maintenant le level 4. Nono qui a un petit peu de retard. C'est moins gênant. Une dizaine de CS par contre en moins. Mais il sait qu'il peut pas se prendre de cage là, Nono. C'est interdit pour lui. Tant que ses summoners ne sont pas revenus, il faut faire amende honorable sur sa bot lane. Attention, Wiz en position face à Melon. Wiz. Melon, on anticipe le cocon. Ouais, Melon, tranquillement. Juste un juke, on se retourne. On met les dégâts sur Wiz. Là-dessus, les auto-attaques qui proc également. Attention tout de même à Krakmo. Ah, il l'a regardé droit dans les yeux. Tu as loupé ton cocon. Okay, maintenant, moi, c'est la punition. Ne jamais attaquer quelqu'un avec une moustache, c'est dangereux. Ça va poser de gros problèmes. Narcus, Colonel Sanchez est un homme peu avenant. Narcus qui va faire son premier back maintenant. On a Wiz qui a déjà fait un back. Au top, Gob qui est sous sa tour mais qui a plus de farm que Fred. Attention, le Q-spell, Melon qui les engage. Ah, la Valkyrie sur cette Millennium Fire back désormais. Ça dure. On avait comme Krakmo qui avait déjà fait un back, hein, qui a son double Doran Ring. Melon qui devrait pouvoir récupérer maintenant peut-être une brillance. Voilà, la brillance instantanément, une potion. Et il va pouvoir reprendre l'ascendant sur sa lane. Et bientôt le paquet pour le Corki. Non, il n'est pas disponible encore pour l'instant. C'est à combien le premier?
7 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, il me semble. Donc il faudra faire un autre back. Et du coup, hein, le flash de Crackmo qui va revenir petit à petit. Après, on aura quand même une opportunité normalement. Du côté de Melon, il faudra juste effectuer un autre back. Gob est quand même sous la pression de Fred, mais il tient le coup au niveau des CS. Je pense que c'est le principal pour lui, tenir jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment tanky pour ne plus vraiment être en danger. Puis on s'interroge toujours sur l'optimisation de Fred Gardoum. Qu'est-ce qu'il va choisir de faire là face à la team adverse, enfin, qui rush beaucoup, beaucoup d'armure très rapidement. Fred, il a plusieurs choix, mais actuellement le rend... Ah non, quoique le rend d'une, c'est même pas utile. Ils ont pas vraiment beaucoup de vitesse d'attaque en face. Là, il va être obligé de prendre, ouais, plus tard une Thornmail, mais en premier item peut prendre Sunfire pour push un peu plus vite peut-être. Sunfire. C'est ou alors il décide quand même de partir sur un Black Cleaver et après Thornmail possiblement. On va voir quel va être son choix à Fred, mais bon, on va avoir un début de réponse normalement. Starak. Et... ok. Un Starak en first. En first. Ou au moins pour stack les HP, j'ai oublié le nom du premier item, mais peut-être qu'il veut juste stack des HP pour tenir sa lane. Et pouvoir partir sur de l'armure à côté. Il a pris des boots. On va voir quels seront ses choix après. Melon. Tentative de knock-up de Crackmo. Melon qui résiste pour l'instant. Attention, le 2v2 qui pourrait s'engager là. Entre les deux équipes. Wills est niveau 5. Narcus qui protège la Pinko à son équipe. Gob également qui joue autour de cette vision. Les Gaulois qui récupèrent de la Pink, de la Ward. Qui a été de gêner ses gros bills. Hein. Petit avantage au gold à part des gros bills, mais 400 gold, 300 à peine. C'est rien du tout, cette game, il se passe pas grand chose au moment. La game précédente nous avait habitué à beaucoup plus de mouvements. C'en est surprenant, Wiz pareil qui reprend la vision. Fred qui va prendre le carapateur aussi. Et Gob, top, qui fait son petit farm avec la Poppy, doucement mais sûrement. Il a pris quand même la cendre de Balmy, hein, Gob. Il veut pouvoir dépush un petit peu ce Gnar, être plus tranquille. Ouais, c'est un item qui fait pas mal sur Poppy. C'est pas toujours converti en cap solaire. Ça dépend un peu. Ça dépend des joueurs, honnêtement. Certains estiment que ça ne vaut pas le coup. Et ils préfèrent garder les cendres de Bami pour le clear. Jusqu'à ce que le combo Cuspel plus Gantelet Givrant devienne suffisamment efficace. Hein. Le fameux Gantelet Givrant. C'est assez incroyable, je trouve, de faire proc un tel item sur une attaque distance. Après, on a aussi pareil le pourparler de GP qui le fait proc. Les petits effets on hit comme ça. Sur la botlane, l'alarme de ADS sur Ezreal qui est prête. 12 CS d'avance d'ailleurs de la part de Dylan. Ça c'est le premier trade entre les deux équipes. Hein. Avec Nono qui a été forcé de back. Il a récupéré ce summoner d'ailleurs, Nono. On sait jouer sous pression du côté de la violet nigolois. Faut attention, ils savent que plus tard ils vont pouvoir être tranquilles. Attention, Gob qui prend pas mal de dégâts sur ce trade. On voit Fred qui régène avec la poigne de l'immortel. Cette pastoriste qui depuis le up est trop forte. Enfin, toutes les 4 secondes se régène 4% de HP ou 3%. Quand t'as Fiora GP qui décide de la prendre. Bah ouais, ça te peut comme tant que ça... Enfin, je trouve ça un peu trop efficace pour le moment. Très bon. Ouais, c'est très fort. Mais est-ce que ça l'est autant que l'était le Thunderlord par exemple? Les débats sont ouverts. Ah, le paquet de Melon. Melon qui va gank la bot lane, Melon qui se cache pour le moment. Est-ce qu'on va attendre peut-être une engage de Kajeri? Est-ce que ça va bait? Ils vont peut-être se prendre une cage volontairement. Faudrait que Nono aille se prendre la cage. On a Wiz qui arrive vers la bot lane aussi. Crackmo qui poke. Sur le poke, sur Melon de la part de Crackmo. Il est capable de déclencher un ulti comme ça, utak otak, hein, le midliner des gros bills. Narc. Il a été scout juste avant? Je suis pas sûr, mais il était peut-être juste pas content d'attendre. Oh, le stun de la part de Fred et. Pas mal Fred, là qui deny le back de Narcus. Gob commence à être de plus en plus à l'aise quand même sur sa lane. Il craint plus grand chose. Son seul problème à mon avis c'est vraiment le sustain de Fred là-dessus. Mais bon, il va pouvoir faire des backs réguliers. Pas de gang sur la bot lane finalement qui serait arrivé. Oh, le Corki, est-ce qu'il a toujours son gros paquet ou est-ce qu'il l'a utilisé? On ne l'aurait pas vu. Wiz qui va voler le blue buff de Narcus. Pour l'instant, la game qui n'a pas encore donné de first blood. J'avoue que je m'attendais à plus d'agressivité. Vu le pick Elise de Weeds, vu le pick Graves également qui peut vraiment débloquer des kills en early. Mais pour l'instant, les deux équipes n'arrivent pas à trouver d'options. C'est vraiment pas passé loin pour Nono au niveau de cette bot lane, mais qui a réussi à revenir dans sa game là. C'est compliqué pour Graves d'aller chercher un kill parce qu'il n'y a pas beaucoup de CC sur les lanes. Une Poppy avant qu'elle CC un Gnar, ça va être très dur.
pareil sur la mid lane et sur la bot lane, enfin on n'a pas le choix, ça va se jouer sur le Z de Jhin ou alors le passif ultime de Braum. On a un Black Shield en face, on a un transfert arcanique. C'est pas facile d'avoir des opportunités pour Narcus là-dessus. Sans illume peut-être, il essaie de trouver des opportunités de cage, le support des gros builds. Gob qui va décale, on a de la vision imposée, voilà le trinket qui est utilisé de la part de Gob. On laisse le carapateur, on va pas aller chercher. Narcus qui va faire ses gromp. Et on a Witz qui était bot lane pour peut-être essayer un kill, ça va être rapidement abandonné. Ah, le route qui sera passé. Ouais, on fait pas encore assez de dégâts du côté de Nono, mais ça va venir, ça va venir, on l'a vu, hein, c'est la partie précédente. Ah, au top, Fred qui va être forcé de flash là, face à l'agression de Gob et de Narcus. Ouh, Crackmo qui a également fait le déplacement, il va mettre un ulti, Crackmo, il va toucher jusqu'au bout Narcus, First Blood pour les gros builds sur ce décalage. Incroyable, le décalage de la part du Vel'Koz. Et c'est très beau parce qu'à chaque fois, la game d'avant, on a eu un peu la même chose. On a Crackmo qui décale top et Witz qui est toujours présent pour défendre la mid lane. C'est de belles rotations qu'ils font à ce niveau-là, les gros builds. À chaque fois, c'est très très bon et ça évite de perdre des objectifs sur un décalage. On push au mid, attention, Ilum qui a pris pas mal de dégâts et le CC. Dylan qui se met devant pour cover. Comme c'est une exec, l'ultime de Jhin. Au début, ça fait peu de dégâts, mais bon, à force en fait, dès que tu prends un tout petit peu de dommages, c'est vrai que ça se sent. Hein. Et c'est complètement décuplé les dégâts des shots suivants. 2k4 gold d'avance de la part des gros Billy Sport. Il commence à peu près sur le même genre d'avance qu'à la partie précédente. Et là, il décide de faire un décalage au bot. Nono n'a plus son heal. Par contre, il a son flash, il a la fatigue. Et le flash sur Kajeri et la ward posée par Nono. Oh là, c'est le dive. Est-ce qu'il y a un TP de la part de Gob? Non. Ah bah là, c'est le Goki, là, en faveur des gros builds. Ils ne pourront rien faire, les Gaulois. Très très bon dive des gros builds qui vont récupérer la T1. 3k gold d'avance, ils peuvent passer à presque 4k gold. Est-ce qu'ils vont la prendre? Ils vont la prendre ou vont-ils la laisser? Faut qu'ils la prennent là pour snowball, pour gold rush un peu. De l'autre côté, on a Gob qui maintenant arrive à maintenir Fred sous push. Fred qui a rush par contre un maillet gelé. On avait parlé du Sterak, mais oui, effectivement, le maillet gelé était sans doute l'option la plus logique. Et bon, bah ça lui permet très efficace en 1v1 comme d'habitude le maillet gelé. Mais là, il va falloir aller chercher de l'armor maintenant du côté de Fred. Je m'attends pas à ce qu'il développe un build plus 1v1 avec un Black Cleaver. Ce serait très étonnant, je pense, de la part du top laner des gros builds. C'est pas ce dont ils ont besoin dans la game. Narcus ouais, qui repart sur la top lane pour peut-être essayer de prendre un kill sur Fred. On essaie de mettre l'anti-dash de la part de Gob. Mais Fred ne se fera pas avoir. Il a du mal à trouver des opportunités, Narcus, avec son Graves. Hein. Ses lanes lui permettent pas vraiment. C'est très très dur. Ilum qui met quelques dégâts à gérer. On a Witz qui arrive par derrière. L'ultime de Ilum. Melon est là. Qui arrive en love, en backup. Attention, Witz qui flash le cocon. Et Kajeri qui tombe. 4 kills à 0. Pour les gros builds, Crackmo qui essaie de poser des dégâts sur Melon, il va mettre son ulti, un peu de poke au passage. Igolo est vraiment sous pression là, 4000 gold d'avance pour les gros builds. 4000 gold, 4 kills, 2 tours, c'est pas facile de tout tenir et Narcus qui va se faire voler son red buff, après avoir donné le buff adverse à Melon. Et malheureusement, le smite, il a utilisé son ultime Narcus pour ça, le smite aurait été plus fort. Donc on a plus d'ultime pour ce fight. Oh, Gob qui se fait dive sur la top lane. Whiskari qui place le cocon, qui va tanker. Narcus, c'est peut-être l'heure là de faire parler le pick Grace. Ça ne suffira pas. Le problème, c'est que Narcus n'a plus d'ultime. Il venait de le faire au red buff et c'est vraiment dommage quand on voit les HP qui restent à win. Ouais, effectivement. On continue le gold rush de la part des gros builds qui vont prendre 7 T1 top. Oh là, on est obligé de juke du côté de Narcus. Et donc, ce bâtiment qui est emporté. 3 tours à 0 pour les gros builds, 4 kills à 0. 5k gold d'avance, ça continue. Ah. L'ultime de Nono qui va tenter peut-être de ramasser du kill. Bon, on se met facilement en cover. Et il ne touchera pas le dernier. Il y avait rien à tuer là-dessus. Enfin, Weeds, de toute façon, n'avait aucune raison de rester là. Ça va être compliqué pour les Gaulois de revenir. Ceci dit, voilà, ils ont l'avantage du triple carryadé. Et bah, le triple carryadé, on le sait tous, ça peut mettre énormément de dégâts sur un teamfight bien engagé. À n'importe quel moment, tu peux être surpris par ce genre de draft, mais en ayant trop de retard quand même, les Gaulois se mettent en grosse difficulté. Surtout si ce Gnar décide de prendre de l'armure, j'espère vraiment qu'il va le faire pour les gros builds, Fred.
devrait. D'ailleurs, Gob qui a fini la Sunfire sur sa Poppy. Sunfire, on a les bots de célérité. Bots qui sont aussi présentes sur Narcus et sur Nono. Fred, Fred, Mega Gnar, le stun qui est placé sur Nono. Quelques dégâts. Oh, la cage! Ah, si, prenez la cage là, je suis convaincu que Fred il lâchait un flash. Flash, ult. Ah, Nono serait mort, hein, tout simplement. Il serait mort. Je pense pas qu'il y aurait la couverture suffisante. Crackmo qui va s'avancer là en frontline quand même. Crackmo, peur de rien. Un ulti de la part de Crackmo. Kajiri, il a pris le dot. Il a pas pris le dot. Rien du tout. Kajiri qui survit à ça avec son ultime qui a touché du bout du doigt le Crackmo. On essaie de mettre quelques dégâts. Tout le monde survit des deux côtés là-dessus. On a toujours les 5 cagoles d'avance de la part des gros bills. Et ils continuent à avancer, gros bills. Ils prennent la position sur la map. Ah, Melon, le bac, du côté du bot. Melon, regarde, on a le TP de Fred au bot. TP de Fred qui va tenter de prendre un kill sur Melon là-dessus. Oula. On ne sait pas si Melon a sa Valkyrie ou quoi que ce soit. Je donne pas cher de la peau de Melon. Mais là, ça m'a l'air compliqué. Hein. Il a quoi? Il a flash, exhaust. Ouais, flash, ah, on va tout de suite aller voir ce qui se passe du côté du bot. Pas beaucoup, beaucoup de mana. C'est la connexion qui a l'air de le troll un petit peu. Quelques problèmes. Est-ce que ce ne serait pas la raison pour laquelle il serait encore bot lane, sa connexion? Je sais pas. Une très bonne question. Alors, reconnexion, Melon, on va voir. Si la partie reprend là-dessus. Alors là, ils sont en train de demander s'ils sont prêts, je suppose. On est ready au niveau de la bot lane. 5, 4, 3, 2, 1. Melon, est-ce que tu vas survivre? Le bot. Le bot. Ouais, Melon qui peut strictement rien faire là-dessus. Ah, il pose quelques dégâts quand même sur Dylan, le midlaner des Gaulois. Et pendant ce temps-là, c'est Crackmo qui prend le kill sur la Poppy de Gob. Ouais, c'est vraiment dur quand même pour les Gaulois. Ils sont en train de se faire complètement détruire sur cette game. Mais où a-t-il pris le kill? Je vois pas le cadavre de Poppy sur la map. Non, je sais pas du tout où. En tout cas, c'est un dans la river à peu près. C'est un truc Drake. Ah oui, peut-être. Ouais, non, je sais pas trop. C'est au niveau de la mid lane. Ils sont en train de prendre les gros bills. Le Drake, premier Drake de la game. Et regarde, le héros de la faille également qui est récupéré par les gros bills. Ah oui, alors là, c'est, on enchaîne hein, de façon très énervée pour cette équipe. Les Gaulois sont complètement largués pour l'instant cette partie. 6k gold d'avance de la part des gros bills. La game d'avant, on avait vu du 2k, 2k5, mais jamais plus. Ouais. Là, 6k, ça commence à devenir très très dur. Les items sont plus du tout les mêmes. On a Ezreal, Muramana, enfin Manamun, Brillance. À 20 minutes, on aura bientôt le Power Spike. Et les gros bills qui vont commencer à se regrouper au niveau de cette mid lane. Ils ont un buff héros de la faille, donc ils peuvent peut-être tenter de push sur leurs adversaires. Encore une fois, avec Ez. Et on regarde le gantelet girvant qui vient d'être complété du côté du Ezreal de Dylan. Et les bots là, son pic est vraiment très efficace. Bot de lucidité, gantelet girvant. Avec les bonnes runes, on est déjà à 43, ouais, par rapport au level 42-43% de CDR. C'est tout comme les 45. Quelqu'un d'inchoppable. En plus, avec un très bon score, hein, 2-0-2. Alors, au niveau du farm, on a une petite avance pour les Ezreal. Ça n'a pas bougé finalement depuis leur Liga MA entre Nono et Dylan. C'est à peu près équivalent. Narcus qui parvient à des push. Et on est là, on clear hein, du côté gros bill. On va commencer à siège. Ça va commencer à être très difficile pour les Gaulois. S'ils trouvent pas un flanc, j'ai peur qu'ils cèdent dans ces phases de push. Mais pour l'instant, attends, on a Melon qui est en split, qui est lancé du côté du bot. Il risque d'avoir du mal à clear sans lui hein. Alors on a Narcus. Attention, le beurre sur Gob qui va tomber. Melon. Excellent pick-up de la part des gros bills. Melon qui a bas, qui n'aura donc pas pris de tour bot, hein, même s'il y avait Fred en face. Ils se sont fait prendre la tour mid. Et on continue le snowball. 7k gold d'avance de la part des gros bills. Alors là, je pense vraiment que... Oh, Kajiri, le lock encore une fois de la part des gros bills. C'est Illum qui va récupérer son dû avec sa Morgana. Bon, je crois que Igolois, faut se reconcentrer. On va passer à la suivante. Ouais, ça va être très très dur de revenir dans ces games. Là on est à un moment en plus où toute la team des gros bills, ils ont tous un power spike à ce moment là de la game. Les Gaulois, pour qu'ils reviennent là dessus, peut-être prendre un ace, un baron instantanément. Ça laisse une opportunité, mais avant de récupérer tout ça, ça va être très dur. Les gros bills qui s'avancent désormais au niveau de cette top lane. On va aller siège de nouveau Gardoum.
Ils ont cette équipe fait très bien. Ils ont de quoi faire. Regarde le poke de Dylan sur Nono. Il y a Dylan, il y a Crackmo. Tu prends un tiers de PV sur un Crispell. Tu peux mettre une cage aussi de la part de Willem. Tu peux mettre un cocon, enfin boomerang. Ils ont de quoi tenir le siège. Ils ont de quoi teamfight les gros builds. D'accord, moi j'aurais préféré un ulti. Ah, Gob qui va tenter d'engage là-dessus. Gob qui tente de rejoindre ses adversaires au corps à corps. L'ulti de la part de Nono. Attends, les dégâts peuvent être vraiment intéressants là-dessus. Il sort de la range finalement. De l'ulti, du Jean. Illum qui se fait poke également, mais qui ne cède pas. Et les gros builds ne tombent pas. Et pendant ce temps-là, c'est Fred qui récupère une T2 du côté du bot. C'est très très mal engagé de la part des Gaulois. 9k gold d'avance maintenant, ça ne fait que snowball. Gob qui tente de mettre l'anti-dash face à un Vel'Koz. Allez, c'est le kill pour Wiz. Attention, Wiz qui se fait contrôler là-dessus. Oh, c'est peut-être l'heure des Gaulois là-dessus. L'ulti de la part de Illum, ils peuvent récupérer un maximum de kills. Potentiellement Wiz qui tente de donner le tournis à cet adversaire. Ça ne passera pas. Et Dylan qui récupère le kill sur Narcus. Comment? Il devient Gira ce Ezreal aussi. Et Fred, en ce temps-là. Freddy push, il dit que de toute façon, en teamfight, sa team n'a pas besoin de lui, il gère pas très de problème. Bien sans. Autant finir la game pendant ce temps-là. Ah, s'ils arrivent à cancel le back, là, les gros builds. Ah non, Fred qui a TP du côté du top. Oh là là. Il veut cover. Allez, on va y aller. Jean, le Jean qui prend un kill, crack moins en difficulté. C'est parti, Fred, un ulti, il loupe son stun sur Melon. Normalement, il a de la marge. Quand même, le TP de la part de Gop, par contre, qui va sécuriser le kill sur Illum. Fred qui se fait complètement pile. Kajiri qui avait sa fatigue. Et le kill sur Fred Melon qui conclut l'action pour les Gaulois. Les Gaulois maintenant qui vont les récupérer cette T1. Et peut-être Fred qui s'est complètement loupé. Il a fait un early. Bah on l'a pas vu finalement, enfin surtout leur game était juste en train de push. Il a push la botte. Juste là hein, je parle. Et là, c'est pas loupé sur le reste de la game, non, mais là. C'est juste là, mais c'est le move malheureusement. Bah qui bon, ça ne redonne pas l'avantage aux Gaulois, mais ils reviennent doucement dans la game. 6k gold de retard. Comeback. Ah, sur la game d'avant, il y avait 2k gold. Cette fois-ci, ils veulent se donner un peu plus de handicap. Bon, alors là, quand même, s'ils remontent. Alors, c'est pas infaisable. Mais je vous avoue que je crois plus quand même en une victoire gros bill. Actuellement. Moi, j'ai envie de garder espoir dans cette compo triple AD. Les compos triple AD, c'est les compos où tu peux toujours avoir une surprise. Tu t'y attends pas et tu vois toute la team adverse qui disparaît. Comme Houdini aurait fait. Belle référence. Belle référence, Gardoum et gros bill maintenant qui va commencer à siège au niveau de ce Baron Ashore. Le pick-up sur Gob, il tank quand même, mais pas suffisamment avec sa Poppy. On en a des kills comme ça dans cette game. 1-4 pour Gob. Attention, Melon qui est obligé de Valkyrie out avec le gros paquet. C'est loin, c'est dommage, mais beaucoup de dégâts qui sont mis. Fred qui est bientôt en méga gnar et qui va faire son back. Il a d'ailleurs pris la Deathman Plate, Fred. Il veut courir vite avec son gnar. Le poke qui est mis de la part de Crackmo et de Dylan. Vraiment dur à gérer hein, le poke de ce Vel'Koz et de ce Ez. Surtout que ça a cessé. Il n'y a rien du tout du même genre du côté des Gaulois. Ils n'ont pas de arc d'engage à distance comme une Leona. C'est le problème, ils sont obligés de flank. Obligés de flank, une Poppy arrive par derrière, bon bah c'est bien, mais il n'y a pas. Je sais pas. Tu peux lock si, il faut trouver un squishy près d'un wall. Et arriver à lui mettre ta charge, derrière t'as ton ulti. Alors, voilà, allez, il y a des capacités de lock qui sont très intéressantes. Faut faire attention, c'est que l'ulti me rend invincible pendant que t'es en l'air. Ouais. Ça, ouais. C'est le truc auquel on s'attend pas toujours, mais qui fait mal Gob, qui prend quelques dégâts de la part de Weed. Alors, les gros bills en position au niveau de cette mid lane. Crackmo qui a son Luden maintenant pour le poke, qui a les bottes de célérité, le déguisement hanté. Oh, ça touche, hein. Là, de la part de Crackmo, Melon, l'ulti du Ezreal de Dylan. On poke lourdement. Côté gros bill. On essaye maintenant, il faudrait quand même concrétiser ça, prendre de l'objectif. On a eu le deuxième Drake, il y a 3 tours d'avance. Ok, mais le but c'est le Nexus, le Baron peut aider. Gob qui est sur la bot lane, qui n'a pas de TP. Il n'y a pas de TP ni sur Bill, ni sur pardon Fred, ni sur Gob. Sur Bill. Et justement, c'est gros Bill qui continue à maintenir leur emprise hein, sur le top 7 de la map avec une vision très agressive. Et qui force les Gaulois à faire des erreurs pour l'instant. C'est une stratégie qui leur réussit plutôt bien. Attention tout de même à ne pas perdre les prochains fights. On le sait, les gros builds qui peuvent avoir eh bien, cette fâcheuse tendance à éventuellement moins bien gérer leur late. Après un early qui
a toujours été canon pour l'instant aujourd'hui. Ils étaient plutôt tranquilles et le problème c'est qu'en late, quand tu meurs, bah, les adversaires instantanément vont aller te prendre un objectif. C'est pas ta mort en soi le souci, c'est le fait de leur permettre l'objectif. Ce qui n'est pas facile du tout à gérer ça. Krakmo qui peut poke, Dylan aussi, on va essayer de prendre la tour. On sent que Krakmo il essaie de faire un petit peu de géométrie, il place ses Q. Ouais, ouais. Et ça touche, oh, la cage qui passe aussi. Est-ce qu'ils ont de quoi mettre quelque chose derrière? L'ulti de la part de Krakmo qui va s'avancer. Il y avait la cover de Kajeri. Et le poke de Fred également qui s'abat sur les Gaulois en forme de Gagnard. Toujours, voilà. Krakmo. Ces formes complexes créées par Krakmo. Krakmo qui a quand même dû utiliser son heal là-dessus pour être sûr de survivre. On attendait de prendre le fight côté Gaulois. Attention, il a qui est dans le bush. Il a qui a peut-être essayé de mettre des cages. Et qui réussit sur Gob. Kajeri, un flash, Q-spell, un ulti également de la part de Kajeri, on va tenter de finir du côté de Nono. Les dégâts sont positionnés, ils sortent de la range, l'ulti, les gros bills. C'était un petit peu hésitant là par des Gaulois, Kajeri qui est rentré dedans, mais qui n'était pas suivi, il était seul, il a flash beaucoup trop loin de sa team, il pouvait pas avoir de backup ici. Je pense que tout ce qu'il voulait, c'était pouvoir se sortir de cette situation de poke intenable. Ce qu'ils ont réussi à faire là-dessus, ça coûte quand même un flash au Brom. Est-ce que c'est worth ou pas? Faut voir. Si ça les libère un peu, pourquoi pas. Alors, côté ça, on a Gob avec sa Poppy, qui a sa Banshee maintenant, la Sunfire. Il a repris une armure d'étoffe. Pendant que Grève jungle, on a l'enchantement guerrier. On a aussi la Malmortus qui est déjà prête. Malmortus qui est devenu vraiment un excellent système avec son proc lifesteal, etc. Très bon choix. Et c'est une plaque du mort donc du côté de Fred. On voyait de l'armure. C'est une plaque de mort, ouais. Là il fait un manteau du néant. Pour faire quoi après? Peut-être visa spirituel. Ouh, y a pas d'Iron Solaris sur Maganan. Il y aura peut-être pas un Iron Solaris. CDR, HP. Ouais. Un petit peu aussi de shield pour toute sa team. On va voir quel va être son choix à Fred. C'est vrai que le visa spirituel ça fonctionne bien en général sur Gnar. Gnar a dû céder. Le passif intéressant, ouais, au niveau des PV. Alors Gaulois qui recule pour l'instant. J'ai l'impression qu'ils sont dans une phase de stabilisation de leur game. Gardoum, c'est pas facile du tout pour eux. Il leur faut atteindre les 30 minutes, hein. Une fois, voilà, sincèrement. Une fois que tout le monde. Mais déjà ils ont quelques items sympas là. Il y a le Rapid Fire Cannon notamment sur Nono. On a aussi Lieu et la Trinité par contre sur Manon. Ça peut faire très très mal. Donc Nono qui prend le farm petit à petit. Ça ne push pas plus que ça les gros bilans. Ils vont pas attendre sous une tour. Tenter réellement le sèche, ça fait quelques temps qu'ils l'ont pas fait. Pas loin de 10 minutes. C'est leur compo pourtant. Je dirais pas quand même 10 minutes parce qu'ils l'ont fait au top. Mais ils viennent de. Enfin c'est vrai qu'ils ont été repoussés et qu'ils ont du mal à se mettre de nouveau en position là. Les gros bills. Et on envoie Fred au speed push. Fred qui a déjà 40 CS de plus que Gob. Attention tout de même à Gob et Narcus là du côté de cette top lane, TP back de la part de Narcus. Gaulois qui ne fait qu'une chose pour l'instant, suivre les placements des gros bills et compenser. Ah je dis ça et Melon, une action du côté du mine, Melon qui a survécu à 2 HP et qui a QSS. Ouais, il a QSS, ouais. QSS juste QSS. Au dernier moment. Ce qui est dommage c'est que là dessus il y a eu aussi le heal qui a été utilisé. On a eu un TP quand même utilisé de la part de Fred également. Donc là Gob il a l'avantage du TP sur son vis-à-vis top laner. Attention Melon. Oh oh le poc Melon, heureusement il y avait un Iron Solaris du côté de Kajeri qui alors je pense que ça fait la différence quand même sur Melon parce que là il était vraiment proche de la mort. Attention à Krakmo qui met vraiment d'énormes dégâts. Nono qui est forcé de reculer là-dessus. Krakmo qui arrive super à mal avec son bel code. Très 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 bon Q. Attention le stun qui va passer sur Gob GG. Fred qui met quelques dégâts. Bon on n'a pas beaucoup de damage ici. Hein. Pas loin de 50% de HP quand même sur Narcus là. Il va falloir qu'on attende la prochaine wave de creep. Un ultime qu'on voit pas. Enfin un. Comment dire. Un item qu'on ne voit pas très souvent, c'est le. Comment ça s'appelle ça? Mince, j'ai oublié le nom. Zut top. Du coup, sans vindication, je peux pas te dire Gardoum. C'est pas grave, j'ai complètement zappé. Ça reviendra. Ça revient toujours. Même plusieurs heures après.
Le principal, c'est de s'en souvenir. Une fois chez moi, je le tweeterai. Ouais, voilà, exactement. Alors, Gob qui part sur deux cristaux de HP, est-ce que ce serait pas pour une Warmog? Quoique non, il a aussi une chaîne de veste. Ouais, il pourrait faire une plaque du mort, lui aussi. Hein. Le sur Poppy, c'est pas déconnant du tout. Alors, par contre, c'est vrai que le deuxième. Ouais, une remarque, ça coûte quand même 600 gold de conclure sur la ceinture du géant. Ouais, ça lui servira toujours un moment ou un autre, de toute façon, quitte à partir de tank. Ouais, je pense. Pas de nouveaux items sur Nono depuis tout à l'heure, on a Rapid Fire Cannon, Lieu. Attention, Fred, oh ça log sur Kajiri derrière, regardez Gob qui s'interpose là dans la mêlée, l'ulti de la part de Crackmo. Belon qui prend le kill sur Fred également, attention au teamfight là. Des Igolois avec un Gob en front lane qui fait le boulot quand même. Kajiri est tombé certes, mais de l'autre côté c'est Fred qui a payé de sa vie ce teamfight. Et derrière c'est le poke de Melon qui se met en place. Oh la cage, Crackmo qui a tenté de poke tout de suite dans la QSS de la part de Melon. Illume qui fait vraiment peur au niveau de ses cages. Il en a mis beaucoup et à chaque fois, dès que c'est successful, pardon, c'est suivi. La cage de Illume qui ne passera pas cette fois-ci. On a bien vu Gob par contre qui s'est mis devant Melon justement. Dès qu'il y a eu la cage, on se met devant, on évite qu'il se prenne le Q. Un ralentissement supplémentaire aurait pu être fatal. Ulti de la part de Dylan. Attention derrière Darkus qui tente de mettre quelques dégâts. Ça push, on va absolument prendre cette tour mid. Il faut rattraper les 7k gold de retard. Ah mais s'ils tiennent sincèrement, alors je sais pas combien de temps ils vont tenir dans cette configuration. Mais écoute, bientôt la différence de gold ne sera pas si grave que ça. Hein. À partir du troisième item, honnêtement, on commence à s'y retrouver du côté des Igolois. Ça devrait être plutôt fine. Après bon, là on a Ezreal qui est quand même très très bien dans sa game. Hein. Les lucidités, la Muramana, le Gantlet Givrant, la BT qui up aussi. Alors que côté Lucian, bah, on appelle le Rapid Fire Cannon et Lieu. Côté Nono. Nono avec Jean. Puis Jean, les critiques, il en profite pas de la même façon. C'est fin que ce soit critique ou vitesse d'attaque, les deux lui rajoutent de la D, hein, il me semble. C'est quelque chose comme ça. Alors je connais pas encore très bien le personnage. Là, tu me poses une colle éventuelle. Kajiri qui prend pas mal de dégâts sur le poke de Crackmo. Gob qui est sur le côté qui va arriver en flanque. Il a un petit ultime instantanément pour ne pas laisser poke. Il va lock Gob, mais regardez le backup de la part de Narcus. Narcus quand même qui se fait cal là-dessus. Il arrive à se repositionner. Gob qui est là en couverture. Kajiri prend les lourds dégâts de Crackmo. Melon qui essaie de mettre des dégâts également. Mais Wiz est encore à corps. La fatigue sur Wiz de la part de Melon, mais qui va tout de même tomber. Melon un peu seul sur cette action. Ça flash du côté de Narcus. Gob qui met un ulti pour les engages, mais c'est totalement loupé également. Il va lui manquer peut-être cet ulti à Gob. Et les gros billes qui vont peut-être enfin trouver une opportunité de push. Gardoum qui sait. Enfin, il faut réussir à snowball sur ses objectifs. Ils ont de l'avance au gold depuis tout à l'heure, ils n'en avaient pas fait grand-chose. Là, enfin, peut-être une tour inhibiteur, ah. L'inhibiteur après. Attention, Wiz qui prend beaucoup de dégâts. Il qui se met juste devant. Fred qui va passer en méga gnar. Et on va cancel un peu. Faut défendre cette tour. Il faut absolument que l'inhibiteur survive de la part des Gaulois. Pour pouvoir temporiser cette avoir le temps et regarde, ça push au top en faveur des Gaulois. On a vu, côté gros bill, il faut maintenant se retirer de cette mid lane et aller défendre cette top lane. Il y a également du stuff à acheter, hein, j'imagine, pour ces gros bills qui continuent à maintenir leur avance. Mais voilà, ça ne grossit plus vraiment Gardou, mais surtout les objectifs ne tombent plus. Dans cette game, c'est très stable, faut juste faire attention parce que Thor Gob qui s'est fait attraper entre guillemets, c'est Ilum qui a ultime directement, il s'est pas posé de questions. Mais le problème c'est que sans Gob, bah, le reste de sa team est très squishy et ils peuvent facilement se faire sauter dessus. Hein. C'est ce qu'on a vu notamment. Et Narcus bah, qui s'est pris une cage dans la jungle, pas ouf du tout pour le moment. Donc Gob qui a 500 sur du genre maintenant, un petit peu plus de tankiness. Narcus qui a Malmortus, Sterak, il a l'enchantement Warrior. On va bientôt avoir le Rapid Fire Cannon sur Corki. Et Gob qui décide de pas faire le Gantlet Givrant. Il a pas du tout de CDR dans son stuff. Il a pas de CDR. D'un autre côté, le Gantlet Givrant pour Chase qui finalement. Un peu d'armure, ouais, mais l'armure là, c'est. Enfin, ça va pas être ouf. Ils ont pas tant de dégâts physiques que ça en face. Il va pas de Chase grand monde. Non, mais sans CDR. Dommage quand même d'évoluer sans CDR sur Poppy. Limite. Il y en a peut-être dans ses runes. Pour la CDR, le visage spirituel là, peut-être. Parce que le gantelet c'est un bon item, mais par rapport à la team adverse, là c'est pas ouf. Pour le moment, je pense qu'il veut juste faire le sac de viande. Enfin, ouais, c'est un peu ça, on le voit, mais c'est vrai qu'il tank énormément. Ça, y a pas à dire. On l'a vu sur la phase de jeu précédente. Allez, les deux équipes qui vont peut-être revenir à leurs bonnes vieilles habitudes.
à savoir un push là sur la mid lane avec une phase de poc à rallonge. Il faut attendre qu'une occasion se présente et les occasions souvent sont créées par Ilum, hein, qui fait vraiment une très bonne game je trouve. Il crée des occasions que ce soit via l'ultime, via les cages. Tant qu'il y a du backup, tant qu'il y a des personnes pour suivre, on peut essayer de faire des moves comme ça. Sur la bot lane, on a Fred qui push, le TP qui up. TP up aussi du côté de Gob, mais il y a un level d'écart, faut faire attention à ça. Ah, Groby qui essaie de mettre un peu de pression au niveau de ce baron Nashor. Toujours avec de la pink ward, mais bon, les Gaulois essaient de clear le plus rapidement possible, de se rapprocher de l'objectif. Attention toujours à ce POG de Crackmo qui s'abat. Fred en split. Enfin bon, il n'y a pas énormément de dégâts non plus. C'est une game quand même où les top laners font peu de dégâts finalement. Gardoum. Ils sont pas là pour ça, ils sont là pour mettre du CC. Enfin, côté Gnar, c'est mettre du CC, tenter l'engage. Et côté Poppy, par contre, ça va être de cover ces 3 carries. Il y a 3 carries, il y a du dégât. Mais il faut que ça va se passer. Attention, Kajeri qui se fait prendre la partie dans la jungle, qui se fait full CC. Le wall il se repositionne. Flash out du côté de Kajeri. Melon était là, l'homme providentiel pour se positionner avec le dash. On a quand même dû utiliser le flash aussi de la part de Kajeri là-dessus. L'ultime, le wall. C'est compliqué de se faire attraper comme ça. On n'a pas assez de vision. Et ça va être un quatrième Drake qui va être pris de la part premier de Gros Bill. Ah pardon. Je pensais que c'était Gaulois qui était devant. My bad. Et non, c'est en fait Gros Bill pour ce quatrième dragon. Gardoum, tout à fait. Le prochain, est-ce qu'on aura un Dragon Slayer dans la game? Bah honnêtement, on pourrait se diriger vers cette situation. Fred qui a voulu mettre quelques dégâts face sur Melon mais qui s'est fait instantanément. Attends, Illumine a mis un outil juste dessus là. Illumine a mis un outil sur Kajeri. Ouais, Kajeri cette fois-ci va pas pouvoir s'en tirer. Et non, trop de CC. Wiz qui avait positionné son cocon. Les Gaulois qui sont régulièrement attrapés un par un comme ça dans leur jungle. On a Kajeri, on a eu Gob aussi. C'est les deux qui pour le moment, bah à chaque fois ils se retrouvent pas très bien placés. Attention, Narcus qui va se prendre le Gnar dans la tête. Ah, le stun dans le mur et Dylan qui va finir ce kill. Ouais, très bien joué là. Les gros billes, oh les gros billes qui enchaînent au niveau des pick-up véritablement. Attention à la réplique de Melon. Pas Melon de la va le kill oh, qui va regarde Fred, va chercher oh, Melon Fred qui arrive en planque. Melon qui est tout seul avec Gob qui est tout seul 1v4. Alors il tank énormément, est-ce que ça vaut le coup du côté des gros billes de passer 3 heures à chase cette Poppy? Ah, ils vont quand même l'avoir là, ça y est. Ils ont réussi à la lock et c'est l'ace en faveur de ces gros billes. Gardou, c'est enfin fait. Ça fait du 2v1 top, puis du 3v1. A chaque fois, c'est v1 en fait. Il n'y a pas eu de teamfight réel. Non. On a des Igolois qui arrivent un par un se faire ramasser. C'est pas facile. Ils sont pas du tout. Comparé à la game d'avant, ils ont vraiment montré un très bon niveau de jeu. Là-dessus, dans cette game-là, ils sont un peu en dessous. Ils n'arrivent pas à se placer. Ils n'arrivent pas à engage de fight. Ils n'arrivent pas à contester ces fights non plus. Du fait qu'ils se fassent catch. Et on va TP à la base maintenant, côté gros bill, fort de ce baron Nashor. Igolo est vraiment en grosse difficulté là. On a atteint les 11k gold d'avance. Ils ont vraiment essayé de résister un maximum au niveau de cette mid lane, mais il y a un moment où, au jeu de l'usure, les gros bill ont fini par l'emporter avec leur CC à distance, avec leur POC. Tu as dit, Gardoum, beaucoup de pick-up de la part de cette équipe. Igolo a fini par céder hein, dans la bataille des nerfs. Sur cette mid lane, les Gaulois, il y en a deux qui sont pas trop mal. On a Melon, notamment qui a beaucoup de farm, hein, 343 CS, c'est très très bien. On a Nono qui est pas trop mal dans sa game, il y a du dégât. Malheureusement, c'est à partir du moment où ta front lane se fait catch et qu'elle n'est plus présente dans les fights, ça devient très compliqué. L'ultime de Crackmo qui est claqué, qui ne fera que très très peu de dégâts sur Narcus. Il y a eu le vol de Kajeri en protect. Ouais, maintenant ça va être dur hein, pour les Gaulois de tenir. Enfin, le problème c'est que j'ai l'impression que dans la configuration de jeu qui est choisi par les deux équipes, à savoir siège POC mid, eh bien Groby arrive toujours à trouver un skill shot qui fait mouche. Là où Igolois ben, subit énormément. Par contre avec ce baron Nashor, il faut push un côté Groby parce que sinon on va être reparti pour 15 minutes comme ça. Il faut créer l'opportunité. On aura le Dragon Slayer qui va être vers 42 minutes, 42 minutes 30 pour peu qu'il fasse le Drake instantanément. Qui va arriver du coup juste après le baron. Ça peut être marrant de voir un enchaînement comme ça. Melon qui s'est pris beaucoup de dégâts sur un seul spell. Fred qui tente le poke. On va bientôt avoir le méga Gnar. Est-ce qu'il y aura une engage qui va être créée là-dessus? Une occasion qui se présente? Non, on va juste poke. On poke, on évite de prendre des risques de la part des gros builds. Gob qui tente de venir mettre quelques dégâts. Qui se fait pousser par l'ultime de Fred. Tank énormément quand même Gob. Pas de problème. Par contre, l'ulti Fred, ouais. Il espérait sans doute plus de dégâts sur Gob. Alors, Gob qui a maintenant sa Kindle Gem. Un petit peu de CDR. Tu en parlais tout à l'heure. Les traps du Jin également.
Attention, il va poser des dégâts, désormais l'ulti de la part de Kajiri. Oh, le package de melon dans la mêlée, il se fait littéralement imploser, ils avancent. Les Gaulois, mais c'est trop compliqué, c'est vraiment contre la force du vent. Le vent colossal qui est porté par Crackman qui met d'énormes dégâts avec son Vel'Koz. C'est un fight en faveur des Grobis qui vont remporter cette game et on va aller en game 3. De cette petite finale, Gardoum. Okay, bah. Un partout entre les deux équipes. Un partout, game dominé tout le long par les Grobis. Là, ils n'ont pas lâché un seul morceau. Beaucoup d'erreurs de la part des Gaulois. Et on l'a vu même là à la fin, Kajiri qui a fait un ultime qui a à peine frôlé un Black Shield. Malheureusement, Melon qui tente quand même de faire un split qui arrive par derrière avec Gob en flanque. Ça n'aura pas suffi pour cette game. Un partout. Il reste encore du coup la dernière game du BO3. C'est compliqué pour les deux teams. Dans chacune des games, on a vu du beau jeu de la part des deux équipes. Ouais, là je dirais que gros early de la part des gros builds. Dans l'ensemble, les Gaulois a eu du mal à se coordonner. Ils ont enfin réussi à trouver une forme d'unité dans ce mid-game où ils ont tenu pendant 10-15 minutes au niveau du mid. Mais toujours avec, en phase 2, des gros builds qui maintenaient la pression au niveau de leur skill shot. Et on l'a vu hein, sur la phase de jeu où tu as tous les Gaulois qui meurent. Bah, c'est le moment où les Grobis arrivent à toucher tous leurs skill shots, chac. Il est touché. Ça cesse. Et derrière, ça follow-up, ça tue. On a des Gaulois complètement séparés qui se font catch un par un. Malheureusement, il y a eu beaucoup trop d'erreurs individuelles. Vraiment, c'est même pas des moves de team qui ont été mal faits. Parce que dès qu'ils étaient en team à défendre, comme tu le disais, ils arrivaient très bien. Enfin, très bien. Ils tenaient tant bien que mal. Mmh. Mais à chaque fois, t'avais quelqu'un qui se faisait catch par-ci, par-là. Et doucement, mais sûrement, on a eu les Grobis Esport qui ont réussi à choper tous les avantages petit à petit. Ouais, ils ont la patience des Grobis et leur peu de prise de risque leur a permis de conclure la partie finalement. Ils ont réussi à mettre en défaut les Igolois. Donc ça fait un partout dans cette petite finale. Et du coup, game numéro 3. Il y a tout à refaire pour les deux équipes. Ça va être intéressant tout ça. C'est après une page de publicité, restez sur Gaming. On va jusqu'au bout du BO, jusqu'à 23h30 à peu près. Donc, merci de nous suivre toujours et à tout de suite après la page de pub pour la fin de cette petite finale du Challenge France. Et on est de retour pour la dernière game de ce BO3, la petite finale de ce Challenge France qui va livrer son verdict, Gardoum, avec les Gaulois et les Grobis actuellement à 1-1. Vous le savez bien. Et on se dirige donc vers la phase de draft de cette game décisive. Voyons voir qui va réussir à tirer son épingle du jeu, qui va finir troisième de la compétition un peu officielle de Riot quand même en France. Toi, tu as parié Gaulois, Gardoum, on en parlait juste avant. Tu sens bien le coup pour les Gaulois. Gaulois, tout simplement, parce que première game, ils ont joué très agressif et ça a payé, on l'a vu, hein, ils ont vraiment fait une belle game. Un petit early un peu compliqué, mais voilà, après l'agressivité a complètement payé. Derrière ça, par contre, à la deuxième game, ils étaient beaucoup moins à l'aise. On a eu un Arcus sur Graves qui n'avait pas de lane pour lui donner des possibilités de mettre des dégâts. Puis, il n'a pas vraiment réussi. Enfin, moi, je ne l'ai pas senti très à l'aise sur ce pic, honnêtement. C'était pas vraiment ouf. Or là, je pense que pour la dernière game, ils veulent la gagner. Ça a dû les énerver un petit peu de perdre. Ils vont prendre des pics qu'ils connaissent bien, des pics de confort. Ils vont être très agressifs et vont gagner ça. Moi, je le sens venir comme ça. En tout cas, on devrait avoir une game, encore une fois, qui va être au niveau des teamfights assez rythmée parce qu'on remarque que les deux équipes aiment bien en découdre à ce niveau et voyons voir ce que les Grobis également ont à sortir. Ils ont fait une première game avec une draft très teamfight, ils ont fini par se faire dépasser par leurs adversaires. Là on est parti sur une draft plus POC, ça a mis du temps, mais ils ont fini par imposer leur volonté. C'est long, ils jouent sur la patience des joueurs et bon, chez les Gaulois, tous les joueurs ne sont pas très patients. On le voit, généralement, ils tiennent un temps en team et puis au bout d'un moment, ça se split. À un moment, ça part en vrille. Alors, on bat le Vel'Koz d'ailleurs chez les Gaulois. On craint un peu le Vel'Koz, on ne veut plus se faire poke. Et on ne laissera pas Narcus jouer sa Morgana par contre, côté Grobil. On ne veut pas, sa Morgana, son Fiddlestick. Ban Morgana, pareil. Ilum, c'est vrai qu'il a fait une très bonne game. Hein. Oui, il a été très bon, honnêtement. Il a touché un très grand nombre de cages. Il a forcé Melon à aller acheter une QSS. Parce qu'il y a un moment, on l'a vu, enfin, il prenait trop de cash chaque fois. Illum, c'est vrai, était excellent sur ce pick. Donc les Gaulois s'adaptent. C'est une draft qui les a gênés de la part des Grobis. Et on banne. Et le ban GP. Ban GP. Et de l'autre côté, on veut pas voir là le blanc de Melon.
Ça y est, non, c'est terminé. Pas, on l'a vu une seule fois, c'est fini. On ne veut plus revoir ça, plus jamais. Et ban de Elise. On va pas laisser Narcus jouer ni Elise ni Fiddlestick. Il est sur quoi ? En ce moment, il est pas mal sur Shyvana. Je le vois pas retourner sur un Graves. De toute façon, il a vraiment été moyen avec. Ce serait pas ouf sur Graves. Melon sur Corki, pourquoi pas ? Il a pas fait une mauvaise game. Il a pas eu de possibilité de faire plus vraiment. Ah, par contre, on n'a pas ban le Thresh, qui est du coup piqué par les gros bills. Ouais, bon. Bon, je comprends, hein, parfois il y a d'excellentissimes joueurs de Thresh qui peuvent renverser une situation. Est-ce que ça vaut un ban en permanence ? En théorie. Honnêtement, ça se discute. Dans la méta, pas forcément. Ouais. Après, là, c'est surtout des bans ciblés finalement. C'est pas vraiment des bans méta ouais, ou autre. C'est vrai que quand tu regardes les champions, c'est Tahm Kench, Poppy, Ryze, Seopen, Lissandra. Tous ces champions qui sont super forts. Mais qui sont pas utilisés par les deux équipes. Ouais, parce que là, c'est beaucoup de joueurs, en fait, bah, des individualistes, on va dire. Et c'est généralement tous ces gens-là qui sont très très forts, mécaniquement parlant, sur quelques champions, quelques pics de confort. Et sur ceux de la méta, ils leur plaisent parfois moins. Alors ouais. Du coup, ils les ont moins train. Parce que même un Fiddle qui n'était pas dans la méta saison 5, on voyait Narcus dessus, il était quand même très bon. On a pareil pour beaucoup de pics et pour la plupart des joueurs. Donc voilà, il arrive un moment où de toute façon, le skill individuel, quand tu aimes un champion, passe avant la méta. En tout cas, bon, à ce niveau où on n'est pas non plus avec oui, des on équipes pas pro. Un... C'est pas les LCK ou autres, clairement. Alors, Fred qui va retourner sur son Gnar, qu'est-ce qu'on va piquer ? Il a pas été fantastique avec son Gnar, mais disons qu'il a, pu être au rendez-vous quand même. Un peu comme la semaine dernière, c'est pas lui qui a fait la game, il a pas moi non plus. Il était là, pour moi c'est vraiment Ilum qui a fait un très très bon taf là-dessus. Et Krakmo, hein. Krakmo. Dylan aussi, attention, énormément. Avec son S. En fait, les champions qui ont pu lâcher des skill shots ont vraiment été efficaces du côté des gros bills. Ah, le Ryze, on en parlait. Et la Leona pour Kajiri, on va jouer aggro du côté des Gaulois. Et là, du coup, grosse engage possible. Hein. On a vu que la Leona avait fait un gros taf pendant la première game. On a Gob qui, en ce moment, traîne Ryze un petit peu en stream. C'était pas encore ouf la dernière fois que j'ai vu, mais bon, ça se traîne un peu. Et ça reste un pic en late game, de toute façon, extrêmement fort, Ryze. Ça a tout, de la déplacement, du CC, de la tankiness, des dégâts, du lifesteal aussi. Est-ce qu'on pourra regarder les masteries après ? Dis-nous si c'est faisable. Je voudrais voir si le Ryze a pris Storm Raider. Oh. Attention, qui va-t-on prendre ? Caitlyn, Kalista ? Non, non, on va en choisir un des deux. Rek'Sai jungle, on reste, ouais, Wiz sur Rek'Sai. Il a pas fait une mauvaise game, Wiz, la première game. Bah non, il avait pas fait une mauvaise game. Même, tout, il a complètement mis au fond Gob. Bah, en tout cas, il a essayé beaucoup de kills sur lui. Ils ont essayé de mettre Gob au fond et finalement, il s'avérait qu'il a toujours bien réussi à farm Gob. La capacité de résilience du top laner des Gaulois. Il est resté très très stable. Mais bon, Rek'Sai, ça reste très efficace. Wiz a fait une bonne game. Ah, la Shyvana Narcus, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il nous la sortirait là-dedans ? Parce qu'il y a déjà de l'engagement dans la team. Il y a de quoi lock les ennemis et il va être free pour mettre ses dégâts. Et Jean, Jean, une fois de plus pour Nono. Il n'y aurait pas de raison qu'il ne le prenne pas. Bon, Nono, Golucian, hein. Enfin, franchement, avec Leona, c'est super efficace. C'est quand même la game à 1500€. C'est la game à 1500€, ouais. C'est vrai que, bon, entre la 3ème et 4ème place, il y a 1000€ d'écart. Ça se ressent, c'est pas rien. Ouais, ils vont jouer Corki supporte. Enfin, Corki AD, pardon, pas support, Leona sup. Ceci, ça fait une botlane avec énormément de dégâts magiques. Melon sur Z, oh, ils ont tellement une team agressive, les Gaulois. Là, c'est dans ta gueule. Ah, là, ça reprend finalement exactement ce qu'ils avaient dans la comme première la game. De l'engage, de quoi faire très très mal, rentrer dans l'arc. Vraiment, ils sont là pour se dire, ok, on a peut-être pris quelques kills, mais maintenant, c'est à nous d'imposer le rythme. Ah, ça peut se faire. Mais c'est avec la Shyvana. Okay, on a lock Shyvana plutôt que Skarner. C'est pareil, ça va faire énormément de dégâts. Puis l'avantage, c'est qu'il va pouvoir se permettre de partir un peu plus sur du DPS. On a comme Leona qui va tanker, qui va engage. Idem, on va avoir un Ryze qui va faire un peu ce taf là. C'est pas un mauvais choix, Shyvana. Ah, il y a de l'engage hein, côté Gaulois, incontestablement. Et du côté des gros billes, on est plus. Oh, alors vous voulez nous engage ? Eh bien, on vous propose une Cassiopeia qui va pouvoir ulti tout ça. Avec Thresh, avec Gnar, avec Rek'Sai, ils ont quand même. Et un ulti de Kalista. Honnêtement, gros bill, ils ont vraiment de quoi contrer les tentatives Gaulois. Ça va. Je dirais pas que. Ah, Lissandra, on en parlait. Pour essayer de piquer quelqu'un, peut-être.
Un petit se dire un tombeau de givre sur un Z. C'est très bien, c'est très très bien qu'on les assassins Lissandra. Pour moi, c'est un des meilleurs picks du jeu actuellement. Krakmo sur Anivia. En même temps, elle avait montré une très belle Anivia la semaine dernière, Krakmo. Il avait été plutôt solide dessus. Il est bon et c'est un pick qui est très intéressant contre une team qui se base sur beaucoup d'engage. Avec ton wall, tu peux vraiment gêner tes adversaires, notamment Ryze. Hein. Ryze, honnêtement, jouer contre Anivia, c'est pas si simple que ça en teamfight. Il n'y a que Ryze qui va être gêné, parce que les autres peuvent passer au travers du wall. Les autres peuvent passer, mais à partir du moment où tu arrives quand même à split un peu tes adversaires avec l'Anivia, tu as fait ton boulot. Et normalement, il peut avoir cette possibilité, parce que si tu forces par exemple le Corki à Valkyrine pour suivre... Ouais, il est mal. C'est pas la meilleure des situations. C'est vrai. Mais bah là, pour le coup, on a un Arcus qui joue avec une fatigue. Alors fatigue, ça va être... Ouais, s'il arrive à... Si, pour Rush Kalista. Rush Kalista, il l'a tué avant qu'elle ne le tue. Ouais. C'est pas ridicule du tout. C'est alors, un pari. Sur la top lane, on va avoir un Ryze face à Gnar. C'est un match-up qui est plutôt even, je pense. Je donne pas vraiment d'avantage à aucun des deux. Faut voir quand même si le Gnar arrive à poser du Arras dans les premiers niveaux. Ouais, mais... Avant que le Ryze puisse vraiment spammer ses spells. Il y a peut-être une opportunité, Fred, de mettre de la pression, mais j'ai pas trouvé extraordinaire en pression de lane. Aucune fois, il a pas. Même avec Fiora, en fait, Fiora, il a. Bah, finalement, il a eu l'avantage parce qu'il y a eu beaucoup de gank. Mais il a pas empêché Gob de farm. Il a pas réussi non plus lui-même après à snowball là-dessus, à faire du split push ou autre. Ce serait peut-être actuellement le point faible des gros builds. C'est pas des games ultra mauvaises, mais c'est pas lui, on va dire, qui porte sa team. Et du coup, est-ce qu'on. Ouais, sur le Ryze, en fait, je voulais juste voir les masteries du Ryze. On peut aller voir la Shyvana aussi après. Ça peut être intéressant. Au mid, petit avantage au Z. Bon, il va faire péter une fois l'œuf d'Anivia, la deuxième fois, ça va être la mort. Alors, sur ce raid. Les maîtrises. On est en 12-18. On est agressif. Donc, il prend Thunderlord et pas Storm Rider. C'est super sympa, Storm Rider, je trouve, sur Ryze. Et il prend pas de CDR, par contre. C'est marrant. Il veut pas atteindre les 45% de CDR. Ouais. Il part plutôt sur de la peinée. Ok, c'est pas du tout ce que j'aurais pensé. Je m'attendais pas non plus à ce build là, sincèrement. Non, c'est inhabituel. Ok, pourquoi pas. Peinée magique, pas du tout de mana. Ah, il a la CDR dans ses runes, ouais. Ouais, mais il va pas atteindre les 45% comme ça. Ouais, c'est. J'avoue que je suis un peu surpris par le. C'est un Ryze un peu inhabituel. Plus basé sur les dégâts en fait. Bah, basé sur les dégâts, mais sans avoir de quantité de mana, il va rapidement galérer, je pense, un peu. Après, face à la compo adverse, de toute façon, il peut rush un linceul de glace rapidement. Ça va être efficace et contre Fred et contre Wiz là-dessus. Bon, un petit... Ouais, tu peux faire plusieurs premiers items, en fait. Linceul de glace, l'arme de la déesse, catalyst. Ça donne de la tankiness, de la mana, donc des dégâts. Et ça te permet d'arriver petit à petit vers le mid late game avec ton Ryze. C'est pas... Il y a une certaine logique, on va dire, les runes qui vont... Runes et maîtrises, c'est juste pour tenir leur lit, en fait. Ouais, en général. Bon, après, il y en a quand même qui sont efficaces, notamment les Keystone, hein, qui peuvent avoir de l'impact quand même en late, etc. Mais c'est vrai que sur l'early game, c'est quand même... T'as une vraie recherche d'efficacité, je trouve. Bon, alors, toujours Paris, Gaulois, Gardoum. Moi, je prends les Gaulois. Là-dessus, je peux parier ce que tu veux sur les Gaulois. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, je les sens là-dessus. Je sens que la top lane, Gob va galérer un peu. Ça, je le sens venir. En early, ouais. Mais surtout face à la red side de Wiz. Donc, Wiz, il est red side. Ouais, mais il va commencer. Son red side. À mon avis, il va faire exactement comme tout à l'heure. Ouais, il va commencer sa jungle inside, passer level 3 et aller gank. Mais Gob va s'y attendre, c'est sûr. Donc, comment ils vont faire? Est-ce que Narcus va directement mettre en position du côté du top? Il va commencer strong side, Narcus, arriver sur la top lane pour faire un counter gank et ils vont tuer red side sur le counter gank. Allez. Parce que le Thunderlord est super intéressant à ce niveau-là. C'est-à-dire que si Gob arrive à lock Wiz, justement, il va y avoir le burst de Arcus dessus. Je sais pas, moi je vois bien ça. Exactement, Wiz qui commence weak side, qui va faire le gank level 3, Narcus qui commence strong side et qui arrive level 3 pour counter gank. Mais par contre, Wiz devrait être là avant quand même au top. Il devrait être l'avant. Après, Shyvana, ça fait sa jungle très très rapidement. C'est très rapide, ça bouge rapidement avec son Z. Puis, vu qu'il se fait aider, vu qu'il est strong side en plus, il y a peut-être moyen. Ok, bah écoute, ça peut être le scénario de cette partie, clairement, et de toute façon, je pense que les premiers kills en early vont être très importants. On va y en avoir, c'est sûr, avec un Z, oui. Notamment, enfin, c'est évident que les Gaulois vont essayer de killer leurs adversaires. Wiz, il est sur un pic avec lequel il arrive vraiment à faire des merveilles en early. Après, il faut voir si ses lanes arrivent à suivre.
Ça devrait. Bah, au mid, bon, il y a le stun, mais c'est compliqué de gank un Z. Il y a la top lane. La top lane, c'est la plus simple à gank, de toute façon. Au bot, on a quoi? Ouais, au bot, on a Corki, c'est pas facile à gank du tout. Leona, pareil. Ça va être sur la top lane, à mon avis, il va une fois de plus camper le top. Ok, donc Gob qui part sur un Doran Ring et on a la pause classique comme à chaque début de game. Ça ne change pas. Ah, c'est histoire que tout le monde ait sa bonne connexion, peut-être quelques soucis de ping. D'ailleurs, en ce moment, il y a un souci régulier dans LoL, c'est des espèces de pertes de paquets. Tu appuies sur les boutons et les sorts, des choses comme ça, partent un tout petit peu après. Et à première vue, c'est un souci que plusieurs joueurs rencontrent, ça vient pas de la connexion directement, mais des pertes de paquets, d'après ce qu'on m'a dit. C'est pour ça que j'ai perdu une game la dernière fois. Possible, possible. Tu peux avoir le ping le plus stable que tu veux, t'as des spells qui ne partent pas, et ça arrive à tout niveau. C'est malheureux quand même. Ah, c'est Narcus qui doit vouloir trouver le meilleur serveur possible. On est prêt. On est prêt pour cette dernière game de la petite finale. 1 500 € pour l'équipe qui l'emporte, on vous le rappelle. Et les deux teams ont une game pour se départager. Mais sincèrement, vu les draps, je pense que ça devrait aller vite. Et ça devrait être agressif. Oh. J'ai du mal à voir un scénario différent. Bah, à moins que Narcus AFK farme le dévoreur, mais bon, ce serait dommage de laisser Gob dans la panade. Mais dans ce cas-là, ouais, côté gros build, ça va bouger, hein, si jamais Narcus AFK. Ouais, non, moi, la game, allez, je donne le premier kill. 6 minutes max. 6 minutes maximum le premier kill, pas après. C'est... Bot lane, par contre, je pense pas qu'il va se passer grand-chose avant le level 6. Bon, méfie-toi, hein. Nono et Kajeri sur une draft comme ça. Ouais, mais c'est pas facile de choper une Kalista. Après, c'est possible de choper le Thresh, mais du coup, tu laisses la Kalista free DPS. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je vois bien Melon faire cramer très rapidement l'œuf de Crackmo, par contre. Au moins l'œuf. Mais Crackmo qui joue avec fatigue, hein. Ça va pas être si simple que ça pour Melon d'arriver à trouver des opportunités. Double fatigue du côté des gros bills. Il fallait bien ça contre Ryze, contre Shyvana. Et contre le Z, bien évidemment. Ah, moi, je sens bien une duo lane Nigolois qui prend l'agression. Après, sincèrement, contre Kalista et Thresh, ce n'est pas forcément simple. Si la Kalista de Dylan joue bien sur sa lane, il y a moyen de dodge certains skills adverses. Bah, et à partir du moment où tu as dodge le dash de Leona et la bombe au phosphore, tu peux complètement te retourner contre eux. Derrière, tu fais la loi normalement dans le trade. Ah, c'est... Voilà, c'est une lane qui peut très bien être à l'avantage des Gaulois si ça touche pour Leona. Et si ça ne touche pas, ça devient tout de suite très très dangereux. 3 minutes de pause pour l'instant. Mais tout ça, c'est pour vous faire patienter et pour faire monter la tension. Il faut se faire désirer, toujours. Qui sera la troisième équipe de ce Challenge France? Qui sera le quatrième? Et on vous rappelle bien sûr... Oh, Narcus qui n'y arrive toujours pas. On vous rappelle bien sûr le 26 février à Lyon, la grande finale au Palais des Sports. Vous pouvez prendre vos places sur le site de la Lyon eSport. Et ce sera commenté Millennium par contre Infamous. Et Zaboutine. Exactement, nous serons sur place avec Zerator en présentateur et en analyste, DFG et Dude. Dude, l'ancien joueur de Pen Gaming, bien sûr, qui a fait les Worlds en votre compagnie devant son public à Paris. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de Français sur la scène pro finalement. De plus en plus. Maintenant avec Eika, avec Steve, avec Joko qui a remplacé également du côté des Unicorns of Love, Cabochard, Soaz. Il y a beaucoup de top laners français d'ailleurs. Ouais, la France aime bien produire des top laners, on dirait. C'est assez marrant, tiens. C'est quand même, c'est une lane sur laquelle on peut facilement rager. Je vois pas de quoi tu parles. Oh, mais de là à faire un raccourci à dire que les Français aiment rager, je n'oserais pas. Enfin, je comprends pas. Les Français qui ragent, ça n'arrive jamais. Moi, je sais que je rage jamais. C'est la lane où tu détestes les junglers, qu'ils soient avec toi ou contre toi. Oui. Oui, parce que souvent. Souvent, ça peut porter préjudice, hein, tout simplement. Après, ça dépend avec toi. Tant qu'ils donnent pas le blue buff, ça va. Enfin, tant qu'ils donnent pas le double buff. Ouais, là, c'est ce moment terrible. Quand t'as le jungler qui vient juste et qui te ruine ton lane management, tu sais, tu prévois, toi tu dis je fais mon back, j'ai calculé le nombre de creeps pour revenir sous ma tour, et là ton jungler vient, tu reviens, tu es sous la tour adverse, et tu te fais free gank. Les junglers sont des gens qui peuvent être très gentils avec plein de bonnes intentions, mais bon, l'enfer est pavé de bonnes intentions.
C'est vrai, c'est vrai. Alors de là à dire que les junglers sont des sont des envoyés des enfers prêts à ruiner la top lane. Bon, il y a un pas qu'on ne sautera pas. On n'oserait pas. Alors, toujours un partout donc entre ces Gaulois et les gros Bills. Et c'est l'attente. Patientons, patientons. Parce que ce serait dommage quand même de devoir faire un forfait pour cause de ce problème de connexion. Ils peuvent pas remplacer là en cours ? Je sais pas du tout. J'avoue que je sais, bah, je sais pas non plus. Bah, c'est aux admins de la Lyon eSport d'essayer dans ce genre de cas. Tu perds ton jungler avec qui t'es habitué à jouer. Bon, même s'il remplace après, c'est pas la même team quoi. Et c'est pas forcément facile. Hmm. Est-ce qu'on veut revoir les Pikeban ? Non, pas spécialement. Écoute, si. Alors, si le. Ah, il faudrait refaire les Pikeban. Ah oui, pardon. Bah. My bad. Ouais, c'est vrai qu'il y aurait la phase à refaire en plus avec les 3 minutes de décalage. Ouais. Ce serait... Ou alors quelqu'un qui dit bah tiens, je veux bien jouer Shyvana, je prends le compte de Narcus. Généralement, t'as pas le droit à ça. Et Riot, ils acceptent pas que tu prennes le compte d'une autre personne. C'est interdit, en effet. Pourquoi la pause ? Eh bien, première vue, il y a un petit souci de connexion ou quelque chose comme ça. Un souci technique, au moins, de la part de Narcus. Exactement. Donc, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez nous les poser. Ça détend, ça aide toujours à parler d'autres choses. Et pour ceux qui veulent revoir d'anciens streams, pensez quand vous êtes sur la page OGaming LOL, vous avez le planning juste en dessous du stream. Bien sûr. Et dès que vous avez des créneaux en orange, vous pouvez cliquer dessus pour voir les rediffs. C'est toujours pratique si vous avez loupé quelque chose et vous voulez le retrouver facilement, vous le voyez directement là-dessus. Et n'oubliez pas également, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais que voilà, le début de la saison compétitive a repris. Et que vous avez toujours l'option de vous abonner au gaming pour tout ce qui est replay et pour soutenir la cause gamienne. Voilà, message promotionnel passé. Donc revenons à des choses sérieuses. Ah, quel est le niveau de pure puance sur cette game? Alors oui, alors ça c'est un truc qu'on a développé avec Noah et Copis. Quand on joue en fait, on fait de la trio queue. Et le but en fait, c'est de savoir qui est le plus puant, donc qui est le pur puant entre nous trois. Et donc on attribue des points en fonction du KD à la fin de chaque game. Et ça nous permet à la fin de la session de stream ou de jeu de déterminer le pur puant du jour. Et celui qui est le moins puant. Voilà, c'est un concept spécial, mais je vous assure, avec vos potes, faites-le. Et vous pouvez mettre des points de malus, bonus, en fonction des actions dans les games. C'est à vous de décider des règles. C'est comme les bouquins, vous décidez de votre propre histoire, vous pouvez faire vos propres règles, voilà, c'est quand même magique. Le jeu dont vous êtes le héros, la Ligue des Légendes. Exactement. Ça détruit des amitiés ce jeu-là, il paraît. Mais ça révèle des puants. C'est le but. Alors la game qui a enfin commencé, donc pas de swap lane, on va commencer weak side par contre, côté Narcus. Ok, mes prédictions étaient mauvaises, hein, malheureusement. Fred qui s'est pris un petit peu de poke. Ah, quoique, non. Non, j'avais espoir que Narcus me donne raison et il commence ses strong side, mais pas du tout, il commence weak side. De même côté weeds, ça c'était prévu. On n'est pas en place côté Igolois pour faire les Krug. Ils veulent pas gagner d'XP supplémentaire. Et ça y est, les sbires qui arrivent sur la lane, Kajeri et Nono directement sur une invade. Oh là là. Oh là là, bonjour, c'est nous. Ils ont ça pas touche. Vu la ward qui a oh, Dylan, été oh Dylan qui va prendre de bons dégâts là-dessus. Kajeri, faut disengage. Kajeri, un peu de poke tout de même. Et Dylan qui a pris pas mal de dégâts. Certes, il a un cookie, mais il va partir en difficulté là, le carry AD des gros Bills. Très bon choix de la part des Gaulois qui, dès le début, nous montrent leur agressivité. Ils ont pas perdu de temps. On avait annoncé que sur cette game, s'il n'y avait pas de contre. Attention, le flay qui passe de la part de Ilum. Kajeri qui s'est pris une petite spear. Allez, faut pas se laisser push non plus. Alors là, ils sont quand même bien sur la lane normalement, hein, les Gaulois. Il n'y en a plus de cookies sur la Kalista de Dylan. Donc, sur une bonne agression, ils peuvent arriver à faire la différence. Par contre, attention aux erreurs, hein, face à une Kalista. Il faut prendre le ça peut coûter très cher. Là, le niveau 2 qui est pris avant du côté des gros Bills. Crackmo qui vient poser de la vision. Et regarde, donc,
Il est parti weak side finalement, Narcus, sur son blue buff. Il va s'assurer de courir sa top lane. Regarde, on vient de ping top, hein, côté gaulois. On craint le gank. Weeds qui part justement pour aller. J'y attendais. Gank cette top lane. Narcus vient de faire le Carpator et qui part à l'opposé. Il part dans l'autre sens. Attention, Gob qui va se prendre le premier gank. Le level 2. Weeds qui est déjà prêt, qui est dans le bush. Est-ce qu'on va avoir un bureau? Level 3 qui est pris par Gob. Attention, Wits qui est très patient, il attend le push. Et c'est parti pour le premier gank. Wits qui va arriver. La cache qui est mise sur Gob qui flash out, ça va mal au flash de Wits. On va essayer de ralentir Gob. Enchaîner Gob qui prend de bons dégâts. Là, tu l'as vu se retourner quand même. Et a opposé la résistance à ses adversaires. Mais directement, voilà, c'est ce fameux gank dont on parlait de la part de Wits. Il est arrivé, Gob le subit, mais Gob ne tombe pas. Gob résiste. Gardoum. Flash out directement, il a forcé le flash de Wits. Forcé le flash de Wits là-dessus. Il est parti, deuxième d'Oran Ring. Il veut tenir sa lane, il sait très bien que ça va être compliqué. Il a senti tout à l'heure, voilà, le gank qui est arrivé, le deuxième, au niveau du bush top, sous la tour. Narcus, pendant ce temps-là, qui fait toute la jungle. Il est parti, il va re-récupérer une fois de plus, peut-être 3 buffs. Alors par contre, c'est sûr que si Wits loupe ses ganks, derrière, il va se faire raser sa jungle par Narcus. Shyvana, c'est vraiment fort pour ça. Et d'ailleurs, on le voit, Wits qui veut aller prendre le duel. Narcus qui peut fight, hein. Shyvana c'est très très fort en 1v1. On rappelle d'ailleurs que c'était à l'époque les M5 qui exactement avaient lancé l'habitude du counter jungle avec cette Shyvana. Le jouer top ou jungle. Attention, Wiz là en danger. La lanterne de la part de Illum, il va pouvoir s'en sortir. Wiz, il concédera quand même son blue buff. Et l'ignite qui a été tiré de la part de Kajeri par contre. On fera attention au niveau des fights bot lane maintenant. On a Narcus qui a une petite avance, enfin une petite avance, 10 CS de plus dans le jungle, hein, c'est énorme. Il va maintenant aller faire ses Krug et après il devrait faire son premier back. Sur la top lane, Gob qui n'a plus de summoner spell, avantage au farm pour Fred. Hein. Fred une fois de plus, voilà, qui a son jungler qui vient sur la top lane dès le début, qui lui donne une belle avance. Et bah Gob va une fois de plus subir et devoir tenir. Mais honnêtement, il résiste vraiment bien Gob. Il est étonnant dans l'adversité, le top laner des Gaulois. C'est un peu la marque de fabrique de l'équipe de toute façon, de faire des early pourris. C'est un jeu mental, hein. En top comme ça, t'es pas bien. Tu sais que tu dois tenir parce que tu vas être efficace plus tard. Et t'as pas le droit de tilt. T'as pas le droit de tilt, tu dois rester focus. Pas toujours facile. Alors Narcus qui arrive vers la top lane, on casse la pink ward de Gob qui était dans le bush. Ouais, ça permet de libérer un peu de vision et de mettre beaucoup plus de pression sur Gob là, du côté des gros builds. Melon qui lui, au mid, bien sûr, s'en donne à cœur joie tant que Krakmo n'a pas suffisamment de mana. On poke un maximum. Et comme tu l'as dit, il y a moyen qu'il aille chercher un 9 et un kill à un moment sur la Nivea de Krakmo. Et qui joue quand même très bien ce champion. Donc il y a un beau duel quand même au niveau de la mid lane. Melon qui va gêner le back de Krakmo. Petit à petit, Krakmo va être mal, hein, pour cause de mana. Ça va être compliqué. Narcus qui part sur l'item jungle rouge pour essayer de se fight 1v1. Il faut absolument, il va générer Rek'Sai dans un jungle. Son but c'est de mettre Rek'Sai au plus mal. Et j'aurais menti, il n'y aura pas eu de kill avant le niveau 6. Wiz qui est sur la mid lane, qui va faire le gank sur Melon, qui ne passera pas Melon, qui a son ultime. Level 6 Oliva qui va lancer sur Wiz. On essaie de mettre un maximum de dégâts. L'Ignite qui est cramé. Il n'y a plus de flash du côté de Wiz. Les dégâts sont excellents. Il manque un tout petit peu. Il manque une auto-attaque de la part des Igolois qui ne sera pas posée, bien sûr, puisque Wiz n'est pas tombé. Mais on met beaucoup de pression dans cette early game. Narcus dans la jungle. De Weeds, Krakmo qui vient poser de la vision et Narcus qui va récupérer les Krug, donc ils sont absents, donc il récupérera les 5 gold du tunnel. C'est la deuxième fois que Weeds survit d'un Ignite avec 20-30 HP, c'était pareil sur la bot lane. Et Narcus d'ailleurs qui n'a finalement pas d'exhaust, hein, je croyais qu'il avait un exhaust au début, et il est sur un flash plutôt. Mais c'est vrai que dans la phase de draft il était parti sur exhaust, mais bon il a dû le changer au dernier moment. Melon là, le proc du Thunderlord qui met d'énormes dégâts. Ça fait très mal. Il va forcer le back. Krakmo est obligé de back. Il n'a plus de mana. Il peut pas tenir. Et perdre son œuf là-dessus, ce serait pas terrible. Gob qui toujours tient sur sa top lane. Là, c'est l'arme de la DS maintenant. Il sait que sa patience sera récompensée au final. Au niveau de la bot lane, un petit avance au farm de la part de Nono. Ça se joue à pas grand chose de toute façon. Pas de back fait d'aucun des deux côtés. Et finalement, hein, c'est cet early pot récupéré sur la Kalista qui n'aura pas été utilisé de... Ah, attends, bah, je dis ça, et Lume qui va peut-être tomber là-dessus, les dégâts sont bons. Nono qui se jette dans la mêlée. Et la lanterne qui permet à Dylan de se repositionner aux côtés de son Thresh.
Bonne agression là, de la part de Kajeri et de Nono très sur bon, le support. Très bon choix. Dès que l'Ignite a été up, Kajeri a repris un train, hein, il l'avait utilisé tout à l'heure sur Wiz. Là-dessus, on a Ilum qui est obligé de cramer toutes les summoner spells. Et il ne reste plus que le flash de Kalista sur la bot lane. Ça peut être dur. Très bonne gestion de lane, ils vont pouvoir revenir sous leur tour en tout cas. Ce timing d'agression qui devrait quand même donner quelque chose au bout d'un moment. Oh, le niveau 6 pour Narcus. Il va partir sur Dévoreur, Narcus. Ah, Dévoreur sur sa Shyvana à chaque fois. Et pour mettre en manque de dégâts, il va essayer de... Il retrouve Fred près de la top lane. Fred qui est prêt, il est en place, il est bientôt en méga gnar. Il faut laisser Gob farm pour le moment, de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Il va quand même falloir que les gros builds soient actifs parce que le late game d'Igolo est assez insane. Shyvana, Ryze avec l'engage apporté par une Leona. T'as le burst, t'as l'engage de Leona, t'as le burst d'un Z si nécessaire. Et t'as Corki qui est là pour mettre des dégâts constants et beaucoup de poke aussi. Ils ont vraiment masse dégâts. L'Igolo en late, attention, oui, d'agression sur Melon, Melon se retourne. Un petit shuriken, ça n'ira pas plus loin. Au niveau de la bot lane, on est pour le moment sous la tour des Igolois. Oh, attends, oh, go mid! Il a pas mis ulti finalement, Melon, il s'est retenu. Il a bientôt l'ignite, il attend peut-être son ignite hein, avant d'enchaîner. Pour prendre un trait de all-in malgré l'exhaust. Attention, l'ultime de Crackmo qui poke doucement mais sûrement. Melon qui a toute son énergie et il ne farme plus avec ses spells. Il attend, il garde son énergie justement. Si à toi, Crackmo fait l'erreur de s'avancer, il pourra lui sauter dessus. Il a de quoi mettre toutes ses spells. Sur la top lane, Nagob qui est mis sous pression sous sa tour. Bientôt l'ignite. Narcus qui est présent bot, on a entendu un grab qui est passé. Oh, c'est parti, les CC, la élu, mais l'ulti, la Kalista de Dylan, on va se repositionner, Wiz prend d'énormes dégâts, Wiz, il va encore s'en tirer, non, cette fois-ci, Nono dit non, Nono dit non, et derrière, c'est Dylan qui punit avec l'extirpation sur le carry AD des Igolois, et du côté du mid, est-ce que ça va jouer, là? Alors, Melon, on a récupéré l'Ignite pour le midlaner des Igolois, mais il ne va pas agresser, il a perdu quelques points de vie quand même. Narcus commence à devenir actif là-dessus, il a fini son dévoreur, mais maintenant, il faut stacker. Il faut stacker Gardoum. Il va voler une fois de plus le buff. Non, cette fois-ci, on a l'ultime de Wiz qui arrive, qui veut défendre ce blue buff. On veut que Crackmo dispose de ce buff. Il a un flash. Narcus va flash out. Oh, le wall. Unbureau, il ne pourra pas flash en fait. Narcus, il va être puni par ses gros builds qui vont enchaîner sur un dragon. Et alors là, avec une Shyvana dévoreur, va venir la bataille des stacks. Des dragons, des carapateurs. Il faut réussir à prendre tous ces stacks le plus vite possible. Plus vite tu auras tes stacks, plus vite tu vas mettre des dégâts et plus vite tu pourras potentiellement carry cette game. C'est 2 stacks par carapateur et 5 stacks pour le héros de la faille et le dragon. Ça va très très vite quand tu as ces buffs. Crackmo qui a son blue buff et on a le back de Melon. Ouais, Crackmo maintenant qui est lancé. Alors il a pas fait de tir. Ça aurait pu être intéressant, un petit shield de l'archange contre la draft des Gaulois. Mais en même temps, ça retarde son build. Et comme on le disait, je suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt des gros builds d'aller chercher un late game. C'est pas la bonne idée là-dessus, face à un Ryze, face à une Shyvana. Si tu attends le late, de toute façon, le dévoreur va finir par être stack, ça peut être difficile. Narcus qui est quand même à 50 creeps dans sa jungle. C'est pas facile. On a les cendres de Balmy qui ont été faites côté Weed. Et Gob qui farm doucement mais sûrement sur sa lane. Là, si les Gaulois ils arrivent à tranquillement se maintenir en place et à farm sur leur champion, ils vont être en situation idéale. C'est vraiment à Wiz de faire le jeu pour l'instant avec Sarexa et on voit qu'il dirige du côté. Oh là là, et Nono qui prend le kill avec Kajeri, ils sont en train d'enchaîner hein, au bot. Nono, le grab de la part de Illum, la bombe phosphore qui va louper. Nono qui enchaîne et qui poke là-dessus, qui prend le kill tandis que Kajeri a sereinement encaissé et tanké les dégâts de la tour. Par contre, si Gaulois commence à dérouler du côté du bot, ça va être très très dur pour les gros. Le tank range, Wiz qui voulait se placer vers la top lane, Narcus qui l'a arrêté complètement. Le smite, les énormes dégâts, et Narcus qui ultime in pour essayer de choper Wiz qui va se faire ralentir par Fred, le flashy pour ramasser ce kill. De cette Shyvana, Fred en danger peut-être, flash out de la part de Fred qui se repositionne, ulti la part de Fred, Melon qui apprend le kill, il backdash et il ne va pas tomber, Melon. Très grosse action de la part des Gaulois qui sont en train de dérouler. Ok. Ça y est, on commence à se mettre en place du côté des Gaulois. Et là, pour les gros builds, il va falloir trouver une solution. Mais je sais pas si elle existe vraiment. Avec une Shyvana qui va devenir de plus en plus ingérable. Regarde, ils enchaînent avec l'héros de la faille. Quoique Wiz peut-être en couverture. Ah, est-ce que Wiz va pouvoir? Il y a comme Gob qui est full life, qui a beaucoup de mana. Le fight peut être pris. Il a pas de smite, Narcus. Ah. Il ose pas finir. Ah, ce serait dommage de perdre 5 stacks pour ça. Le Drake n'a pas été fait tout à l'heure hein, par les gros builds.
Et là, on a comme 3K gold d'avance de la part des Gaulois. Ils jouent l'agressivité, ça marche très bien. Narcus qui est très présent sur cette game pour l'instant. Weeds qui a été présent de nombreuses fois et qui s'en est tiré à peu de choses pendant un certain temps. Il a vraiment pas connu le même succès que sur sa game 1 avec sa Rek'Sai. On donne le blue buff à Melon. Melon comme ça qui n'aura plus de manque d'énergie, qui aura pas mal de CDR pour gêner un maximum Crackmo. Est-ce que tu peux nous montrer combien la Shyvana a de stack sur son dévoreur? Alors 9 stacks. 9. Après ça va vite, hein. Sincèrement, s'ils passent 5 minutes à farm. T'as le farm. Si, et s'ils ont seulement la vision les Gaulois qui passent 5 minutes à farm, Narcus, ça va se passer très rapidement. Il faut contrôler les carapateurs du côté des gros builds, c'est super important pour ralentir la progression de Narcus. Et en faisant ça en plus, il faut réussir à prendre les initiatives. Le problème c'est que là Nivea est sous pression dans son matchup mid. Au bot ils perdent. Ils perdent leur duel, la duo lane des gros builds. Où est-ce qu'il va tout de même récupérer ce carapateur? Et au top, on a un Fred qui arrive pas vraiment à mettre en difficulté Gob. Donc là, les gros builds, c'est difficile pour eux de prendre l'initiative. Ils voient doucement, mais sûrement, une espèce de rouleau compresseur qui va se mettre en place. Et ils savent très bien qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Que plus le temps va passer, plus Ryze va être puissant, plus cette Shyvana aura de stack. Ça va devenir très très dur pour eux, reste à trouver les opportunités. Narcus qui est présent en lane gank, Gob qui essaye de bait, Gob qui bait très bien, qui est midlife, ah qui se retourne. On a eu le dash out de Fred, Fred qui est sous ultime, Gob qui continue d'essayer de bait. Ça va dive. On l'a vu. Ça va dive, ou ça va prendre la tour. Il recule du coup Fred, sur la fin de son méga Gnar, où il était trop loin. Et Narcus qui vient aider à cette phase de push, Crackmo toujours sous l'énorme pression de Melon. Gob qui s'avance, Gob qui s'avance. Oh, on avait vu quasiment le déclenchement de la cache. Eh oui, c'est parti. Narcus qui ultime. Narcus qui avait des dégâts. Oh, l'Unbero et Narcus qui prend tout de même le kill. De toute façon, il n'est quand même pas suffisamment tanky pour résister, donc il va tomber. Gob qui va pouvoir s'échapper. Mil récupère le kill. 2-2-2. Melon qui fait la navette également. Qui se rend menaçant du côté du bot. Les Gaulois qui prennent la T1. Oh là là, langage. Oh bah, le fight qui est pris, Ilum qui prend maintenant d'énormes dégâts après que Dylan soit tombé. Kajeris a continué de chase, on a la Valkyrie in. Attention, on essaie de mettre quelques missiles. Ah, j'aime et bien. C'est un dernier j'aime pour bien. Le doublé. Double kill pour Nono, Kajiri qui a tanké là très sereinement avec sa Leona. Lead de la tour qui a permis à son ADC d'aller compléter le travail. Crackmo sous la pression de Melon mine. Ah, les gros billes sont en train de complètement vaciller 5, dans cette game. 5K gold de décart à 15 minutes, c'est énorme quand même. C'est énorme à ce moment-là de la game. On est sur... On est quand même sur du 25% de gold supplémentaire pour les Gaulois. C'est très dur, c'est très dur. Il y a eu la tour bot qui a été prise maintenant. On a un Corki qui est à 4-1, qui a sa trinité à 15 minutes, qui a en plus un zèle. Ça va pas être facile pour les gros builds. Enfin, même pas facile, je... J'ai un peu de mal à leur trouver une porte de sortie, là. C'est quasiment impossible. Honnêtement, leur draft... Il fallait qu'ils fassent le jeu en early. Wiz a vraiment essayé, honnêtement, ça on peut pas le nier. Mais le problème c'est qu'à chaque fois, Igolois a réussi à s'en tirer. Le gank sur Gob qui passe pas au top. Wiz plusieurs fois mis en difficulté. Attention à Shyvana qui prend de bons dégâts. Oh, langage de Kajiri là, on y va tous ensemble. La cohésion était présente côté Igolois, mais la lanterne également du côté du 13 jeu Illume. On a eu flash de Kajiri là-dessus, le flash de Crackmo aussi et l'exhaust. Hein. On voulait être sûr de survivre. On va prendre la tour mid pour les Gaulois. Et peu de temps après la tour, peut-être le Drake pour ça. Attention, Gob qui est mis à mal par Fred. Et le caillou qui est raté de la part de Fred. Ça va être dur. Gob se retourne. On spell vamp. La T1 au mid qui est récupérée de la part des Gaulois. Ils sont en train de vraiment dérouler là. On passe aux 6K gold d'avance maintenant. On essaie de cumuler. Melon qui prend. Oh, qui taunt un petit peu. Qui prend au nez à la barbe de Wiz son Corbin. Fred maintenant qui est dans la mélasse, qui a beaucoup moins de HP que Gob. Il a toujours tout de même son ex-drinker qui n'a pas encore proc. Attention, le décalage de la part de Kajiri, il est en train de roam. Hein. Bien sûr, avec l'absence de CT1 désormais, cette Leona va commencer à faire la loi. Il est super tanky, on l'a vu. Le Corki avec la Trinité également du côté de Nono. Ouais, puis Kajiri qui à chaque fois vraiment se place très bien à la limite de la range de la tour pour tanker jusqu'au dernier coup possible sans il mourir. Il a fait deux fois. Il a fait deux fois. Et à chaque fois, ça a permis à Nono de prendre des doublés.
Attention, le fight qui est pris sur Crackmo, l'œuf qui va être cramé. Et on offre une nouvelle fois un kill. Fred qui rentre dans la mêlée. Et l'ultime, le flash-in aussi de Melon. On ramasse ce kill. Du côté des Gaulois, la la survie de Fred. À 10 HP près, ça se joue à rien du tout. C'est les Gaulois qui commencent vraiment. Les Gaulois qui font la loi. Alors ce n'était même pas forcément voulu. Mais voilà, ils Wills la font véritablement. L'ultime allez, de Wills les dégâts, le Red Smite. Melon est là également pour faire la différence. Un deuxième tunnel. Il avait un réseau de tunnels qu'il avait bâti de ses petites pattes. Wills avec ça, avec ça. Mais voilà, les Gaulois l'ont découvert. Et derrière, on fait tout sauter. On prend le kill sur la Rek'Sai. Et dit qu'il a 3 en faveur de ces Gaulois. On continue. Les 8 Kagold d'avance. Le héros de la fight qui est pris. Et on doit maintenant être en 25 peut-être stack. Quelque chose comme ça. Si on peut juste voir les stacks, je pense qu'il doit être à 23, 25. Non, on peut pas voir. Alors montre-nous les stats de la Shyvana. Wellingstone. À 29 stacks, ouais. Ça y est. Très très loin, ça y est. On arrive à la fin. On arrive au bout, les longs vont être faits. Il fait BETRK après, ah ouais. Ah, il est là pour faire très c'est vraiment très mal. Le build solo Q. Solo Q style, très efficace ici aussi. Bah ça marche, hein. C'est vrai que là, ils ont joué aggro et c'est passé. Shyvana, c'est un champion qui a... C'est... Tu peux gêner Shyvana quand elle fait ce build-là, mais il faut être aggro, il faut réussir à la tuer. Parce qu'elle est quand même pas très tanky à part sous ulti. C'est ça, il faut même forcer l'ulti, c'est pas énorme. Kageri qui rate le E, attention qui prend pas mal de dégâts. Non Okipo, qu'on va avoir le Mega Gnar qui va être up, mais très très peu de HP sur Fred, faut faire attention. Kageri qui a l'ultime, on va pouvoir peut-être faire une grosse engage. L'ultime de Kageri qui est lancé sur Crackmo. On enchaîne le play de la part de Lulu pour contrer l'engage de la part de Kageri derrière Melon qui pick up le kill sur Fred. Non, pardon, c'était Nono. Et pendant ce temps-là, c'est Gob également qui a récupéré le kill sur Rek'Sai. Attention à Gob, flash agressif, le kill sur Crackmo de la part de Melon. On enchaîne avec les dégâts. L'arrivée de la Shyvana également, flash et l'agressif. Ça va être un aide peut-être. Pour les Igolois, il est temps de se défendre, Tom un diable, mais voilà, c'est le double kill en faveur de la Shyvana de Narcus. Ace pour les Igolois qui vont pouvoir push et récupérer une T2. Désormais, Gardoum, ils sont lancés véritablement sont lancés. Les 10 en mode TGV. On va passer à 11, 12k, peut-être même 13k gold d'avance. Oh, Narcus qui a flashé sur Dylan. Et avec ce flashé, il lui a fait perdre. Mais il a des pop de 40% HP à 0 HP. Les dégâts sont complètement scandaleux. La BOTRK qui est à peine terminée sur Dylan. Il a maintenant un nouvel arc courbe. Attention, Wits qui se fait choper par la cage de Gob. On a réussi à prendre 3 tours de la part des Igolois. 13 Kagold d'avance. Igolois qui a fait le break vraiment cette game. Oh. Bon. 20 Fred minutes, ne tente pas plus de FF. Que ça. Pas de FF dans la game à 20 minutes. On admire le courage. Fred qui tank plus énormément. Il a un Exdrinker, il a un maillet gelé, mais ça fait peu de stats vraiment défensives. Attention, Kageri, le 1 qui ne passera pas. Le Unboro, le flash out de Kageri certainement. Le flash le sur Melon. Sur Melon, ils vont réussir à le contrôler. L'ulti de la part de Melon dans la mêlée, il a tenté de tenir la distance. Mais non, ça ne passera pas pour le mid laner des Igolois. Wills qui a réussi à pick up un kill avec son équipe. Et les gros bills qui tentent de se relever un peu de ce début de partie un peu difficile pour eux. Hein. Vraiment, ils sont fait complètement assommer par les Igolois. Attention, le chien de Narcus. Waouh, les dégâts, l'impact quand même. Incroyable, c'est le E, le double proc avec le dévoreur. Oh, Gob qui est par derrière, Gob qui est arrivé par derrière, qui met d'énormes dégâts dans la mêlée avec l'ultime. Dylan qui est présent encore au milieu. Ouais, non, le dash n'était pas dans le bon sens pour Dylan et c'est le kill pour ces Igolois. Toujours le poc de Nono. Nono peut-être avec une Valkyrie bientôt. Oh, le CC là-dessus. Oh, pour Crackmo, ça se joue vraiment à rien. Et les Igolois vont pouvoir s'avancer. Allez récupérer cet inhibiteur, Gardoum. C'est très très dur. 14 Kagold d'avance. Quand on a vu Nono qui commence à mettre des dégâts, et derrière tu as Gob qui arrive, qui met ses CC, qui met ses énormes dégâts de zone. Dylan savait qu'il était mourant sur ce move, qu'il allait décéder. Il a essayé de mettre une dernière spire pour extirper ses lances de Gob et le tuer. Malheureusement pour lui, ça n'aura pas suffi. Attention, Wits qui essaie de venir défendre sa jungle, Kageri qui le stoppe. On a le séculaire sur Gob, Melon qui se fait grab. On a le séculaire sur Gob, on a une grosse baguette. On a l'impression. Ouais, ça va être l'Archangel là-dessus. Un Narcus qui ultime sur Fred et qui lui casse complètement son jump.
C'est le fight qui est engagé. Et le chase, attention, Dylan qui flash une précédente. Dylan qui entre, attention, dégâts de la part de Shyvana de Narcus. Interruption, Dylan qui extire ses spires du corps de la Shyvana de Narcus. Donc il est récupéré, attention, l'unbureau de la part de Wills. On va contrer la tentative d'engage de Kajiri. Est-ce qu'il va poursuivre? Oui, la lance du Zénith qui est envoyée. Kajiri qui met son ulti au milieu de la mêlée. Melon qui récupère un kill sur Dylan, bonne side de la map. Pense en là, Nono en plein dans la mêlée qui met de lourds dégâts et qui fait la différence. L'œuf de Crackmo qui proc. Nono va récupérer le kill, pense en là. Kajiri et Gob font le boulot. Certes, Kajiri tombe, mais voilà, c'est un quadruplé en faveur de Nono et Gob à côté qui a assuré de lourds dégâts sur le gnar de Fred Ace en faveur des Gaulois Gardoum. Et est-ce que ça sent bon la game? Est-ce qu'ils vont pouvoir finir là? Ouais, il y a une wave de creep, il y a une wave de creep qui est là, personne ne ressuscite très rapidement. Et ils ont un super sbire. Attention, Melon qui tank, Melon qui va se suicider pour permettre à sa team de mettre des dégâts. Melon qui avait flash juste avant de l'autre côté du mur pour être présent sur le screen. Et ça, c'est beau, ça, c'est du jeu. On a Narcus qui a maintenant son ex-drinker qui est full dégâts. Il part peut-être sur une trinité, je crois que c'est ce qu'il fait sur sa Shyvana. On ne prendra pas de tourelle de Nexus, on va aller chercher le Drake peut-être. Actuellement 15 kagold d'avance de la part des Gaulois. Ils devaient jouer agressif, ils repartent comme à la première game, encore plus violent. Ah, les gros builds qui n'ont pas pu faire grand chose. Ils ont été dominés dans tous leurs match-up. Mis à part top où Fred a réussi à contenir le Ryze, mais sans vraiment pouvoir le gêner. Et à partir de là, vraiment, les Gaulois ont déroulé. Ils sont sur des pics. On récupère. Ils sont sur des pics qui leur conviennent très bien, sur lesquels ils sont à l'aise. Et ça s'est quand même senti dans l'ensemble. Ils ont pu prendre l'agression. Kajiri qui lance beaucoup de moves, tant sur cette game que sur la première avec Salona. Il engage les fights, sa team n'a plus qu'à suivre. Ce n'est pas le seul évidemment dans sa team, mais généralement les décisions sont très bonnes de sa part. Allez, le split est lancé du côté de Gob. Il reste 7 et 2 sur cette top lane. Il y a un fight du côté du mid là, peut-être. Nono. J'ai l'impression que la gelure est partie mais ne l'a pas touchée pendant sa Valkyrie. Peut-être un petit souci graphique. On va essayer de push la tourelle bot pour Narcus. Il y a le fight qui est pris sur Kajiri. L'ultime qui est balancé. Regardez Nono qui met d'énormes dégâts. Narcus qui arrive en plein dans la mêlée. Qui est sous Exos. Qui va essayer de dépasser Dylan. Dylan qui prend de bons dégâts. Mais voilà, la Shyvana s'est faite littéralement démolir. Il s'est empalé. Narcus dans les rangs. Les gros bills. L'exhaust de Ilum qui sauve complètement sa team. Kajiri qui a été pris dans la mêlée, qui a fait comme il pouvait. Malheureusement, ça a limité. Gob qui balance l'ultime qui va essayer d'aller choper. Ilum là-dessus, Nono qui ramasse le kill. Il y a une wave avec un méga sbire sur la mid lane. On a juste une Kalista pour défendre. Ah non, c'est oh, impossible. Côté. Croque-moi, attention, le stun qui passe. Il est pas mal celui-là sur les deux joueurs. Des Gaulois, Melon sous fatigue. Oh, Crackmo, on n'est pas loin de céder là du côté des gros bills. Et Gob qui enchaîne bien au niveau de son ride. Les cooldowns sont déchaînés. Gob à 5-0-8 malgré le fait que Wiz une fois de plus ait encore essayé de jouer sur la top lane au début. C'est très dur. Double buff sur ce Ryze. Et on s'approche de la fin de la game. Gardoum. 18k gold d'avance de la part des Gaulois. On va essayer peut-être d'aller chercher Melon là-dessus. On abandonne. Attention, Wills qui arrive sur Melon. Le Unburrow qui passe. Est-ce qu'on va tenter le grab de la part d'Ilum? On met la lanterne par derrière. Attention à Nono, quand il peut répondre, les regardez Gob qui flanque derrière. Nono se jette dans la mêlée. Ils ont creusé leur propre tombe, les gros bills, en s'aventurant hors de leur base là-dessus. Double kill pour Nono. Flash out de Ilum. Et c'est la short qui va être récupéré. En duo. C'est de la Dynamic Q, ça joue de partout. On est pas loin des 20 000 gold d'avance quand même. Hein. 20 000 gold en 26 minutes. On va avoir les 20 000 gold avec ce baron qui va être terminé par Narcus tout seul. Il n'a pas besoin d'aide. Full DPS. Et il part vraiment sur une trinité en plus. Là maintenant, sa brillance. Ah ouais. Et ça y est, les 20 000 gold d'avance. 26 minutes de game. Oh, on se balade hein, du côté des Gaulois. Ça fait penser à une game de Dynamic Q. Ça ressemble un peu, ouais. Beaucoup de kills, beaucoup de moves. Bon, les gros bills essaient de tenir, mais il n'y a plus rien à tenir. Ça fait bien longtemps que c'est fini pour eux, je pense. Il n'y a plus rien à tenir. Malheureusement, quand une team si agressive te snowball dessus, même si à tout hasard ils prennent un fight un peu mauvais, ils ont tellement de dégâts qu'ils ne pourraient rien faire, les gros bills là-dessus. Gob qui va push la bot lane tout doucement avec les creeps, le buff baron. Il y a 3 waves ensemble ici sur la top lane, tout le reste de sa team push. On a Fred qui essaie de flash in, de balancer l'ultime. Le stun qui sera balayé avec Crackmo. Crackmo met des dégâts avec la gelure. Fred qui va résister là-dessus, mais pendant ce temps-là,
les Eagolois qui vont finir la tour du Nexus et aller finir la game également. Ils décident de fight là-dessus. Oui, ils décident de fight, très bien. Ils ont l'avance aussi, Gardoum, donc pourquoi pas. Joli juke de la part de Nono. On ramène Illum du côté de Dylan. Narcus. Et bon, il y a Narcus qui va finir la game. Allez, c'est Nexus qui tombe. Eagolois qui finit 3ème de ce Challenge France. Très très belle game des Eagolois. Ils avaient joué agressif à la première game, ça avait payé. La deuxième game, voilà, compo poke en face, ils ont dû être plus patients. On a eu un jungler beaucoup moins efficace, Narcus sur Graves qui n'était pas ouf du tout. Et cette game-ci, ça y est, ça a été l'agressivité qui est repartie sur toutes les lanes. Même la bot lane, on a vu une Leona sur Kajeri, très très bonne, qui a pris les bons engages partout. Ouais. Ça a bougé énormément partout. Très belle game. Très agressif, avec des picks qui snowball sur lesquels les joueurs Eagolois étaient à l'aise et on a vraiment senti des gros builds. Wiz a tenté énormément, mais ses lanes n'ont pas réussi à tenir la distance et Wiz s'est fait reboot sur quasiment toutes ses tentatives et ça a donné une game très très one-sided entre les deux équipes. Donc voilà, victoire de ces Eagolois qui empochent les 1 500 € de la 3ème place et donc qui finissent 3ème de ce Challenge France. On vous rappelle, vous pouvez prendre vos places pour la grande finale à Lyon, Infamous contre Millennium le 26 février au Palais des Sports de Lyon. C'est sur le site de la Lyon eSport. Zab et moi serons aux commentaires donc, de cet événement, de cette grande finale. Et donc on vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Vous étiez quasiment 10 000 sur la fin, c'est la folie. On se retrouve demain à 9h du matin sur OGaming. Et je serai en compagnie de Nono, justement, que vous venez de voir remporter la 3ème place. Donc, je serai en compagnie de Nono pour commenter la Corée avec deux super matchs. Africa Freeze contre les Rocks Tigers. Rocks Tigers qui marche sur l'eau actuellement. C'est vraiment super à voir évoluer cette équipe. SBNU contre SKT T1. Voilà, SKT, champion du monde. Les deux finalistes des championnats du monde S5 qui jouent demain. Pas l'un contre l'autre, certes, mais quand même, les affiches sont belles. Et on vous rappelle, bien sûr, à 17h, pré-show de LCSEU. À 18h, LCS Europe, avec un très sympa Origen contre G2 qui nous attend en 3ème match demain. Gardoum, je te laisse le mot de la fin. Je t'en prie. De bonnes games, de l'agressivité, on en attendait beaucoup, beaucoup d'individualité finalement, c'était de la Dynamic Q. Il faut ça énormément jouer. Passez une bonne le soirée. Le mot de la fin, Gardoum, voilà, à la prochaine, merci de nous avoir suivis, salut.